vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous mettre debout pour commencer notre réunion de ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Psaumes au chapitre 99. Nous lirons du 1er jusqu'au 9e chapitre. Le 9e verset, s'il vous plaît. Psaume 99. J'ai lu la parole. L'Éternel règne, le peuple tremble, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom, grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice, qui a fermé la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui l'invoquaient, son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne des nuées, ils observèrent ses commandements, et la loi qui leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exorça. Tu fis pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Amen. Nous allons prendre les cantiques numéro 107 à la croix au pied du maître et nous allons prier. Amen.
Seigneur, prions tous en invoquant le Saint-Esprit d'être ici ce matin pour nous guider, pour nous conduire durant les temps que nous allons passer durant ces moments de communion. Élevons tous nos voix. Éternel Dieu de puissance, éternel Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous te bénissons et nous te remercions, Jésus-Christ, mon Dieu, pour ce grand privilège que nous avons, Seigneur Jésus-Christ, d'être ce matin, Dieu de puissance, dans ta présence, Père. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de paix, Dieu de grâce. Père, nous te bénissons ce matin et nous te rendons la gloire, l'honneur pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. Pour la miséricorde, Seigneur, que tu nous as accordée de nous avoir gardés tout au long de cette semaine. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as permis, Seigneur Jésus, à ce que nous puissions nous déplacer de nos maisons pour venir dans ta sainte présence, Père, pour écouter ta parole. Seigneur, ô Dieu, nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour faire l'acte de présence, pour qu'on sache qu'on est là. Ô Père, nous sommes venus simplement pour te rencontrer, Père. Ô Dieu, ce matin, Seigneur, nous sommes dans l'expectative, Seigneur. Nous attendons que tu puisses nous parler, Seigneur Jésus. Nous attendons que tu puisses consoler les cœurs. Nous t'attendons, Seigneur, pour que tu puisses guérir les malades. Nous t'attendons, Seigneur, pour que tu puisses fortifier les faibles. Nous t'attendons pour que tu puisses relever les rétrogrades. Nous t'attendons, Seigneur Jésus, ô Dieu, pour que tu puisses, Seigneur Jésus, exaucer chaque requête. Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, comme nous venons de chanter, Seigneur Jésus, nous savons que toi, tu as payé ta vie. Tu nous as aimés tellement, Seigneur. Tu as accepté de quitter la gloire, de venir sur cette terre et d'accepter la honte, d'accepter l'humiliation, d'accepter de porter la croix à notre place, d'accepter la mort par crucifixion sur le bois de calvaire. Ô Dieu, nul n'est semblable à toi. Voilà pourquoi nous sommes là, pour élever, pour magnifier, pour glorifier ce grand nom. Ô Dieu, reçois la louange, notre adoration ce matin. Père, Seigneur, descends, Seigneur, et parle à chacun, à chaque membre ici, ceux qui nous écoutent, Seigneur, à travers les ondes, ô Dieu, ce matin, que chacun puisse avoir la réponse à chaque problème. Ô Dieu, nous remettons aussi, Seigneur, ces moments que nous allons passer dans ta sainte présence, en tes saintes mains. Bénis les services des chants, bénis la parole qui sortira, dispose nos cœurs, Seigneur, circoncilés, ô Dieu,
Bénis notre entendement spirituel, Père, en sortant que nous puissions dire qu'il a été bon alors qu'il nous parlait sur le chemin. Oh Dieu, parle-nous ce matin et nous remettons toutes les choses en ta sainte main, du début jusqu'à la fin, pour ta sainte gloire, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons ainsi, Amen. Amen. Nous allons prendre le cantique numéro 180, quand les rachetés s'assembleront. Combien nous chanterons l'hymne céleste dans cette ville là-haut.
worship what Jesus. Prendre 55 pour inviter le frère Corneille. Jésus à une table. Come and dine. Hey.
s'asseoir. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. We are so glad to be in the house of the Lord. Nous sommes des pèlerins. We are pilgrims. Et nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. We greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Et vous qui êtes dans vos maisons. You are at your homes. Paul saluait les siens, il disait saluez l'église qui est dans votre maison. Paul used to greet his own and would say greet the saints that in your own house. Et nos bien-aimés qui nous suivent partout, qui sont en Afrique, nous disons shalom. Our beloved brothers that are in Africa and everywhere else, we say shalom. Sur tous les continents, shalom. And every continent, shalom. Amen. Dieu nous aime beaucoup. God loves us so much. Il nous a donné la vie. He gave us life. Et nous disons amen à tout ce qu'il nous dit. And we say amen to everything that he tells us. Alléluia. Alléluia. Nous disons amen, amen, amen. Nous disons amen, amen, amen. Nous disons amen, amen, amen. Nous disons amen. Nous chantons amen, amen, amen. Nous chantons. Levez, lui dire merci, dire amen, un mot d'adoration à notre Seigneur Jésus. We may stand up and say thank you. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Tu y es Dieu, tu mérites l'adoration. Tu nous as créés pour ta gloire, Seigneur Jésus. Nous sommes indignes. We are unworthy. Nous venons devant ta face, ô Père. We come before your face, Father. Comme n'étant rien. Oh, we are nothing. Te disant merci pour le sang qui a coulé à Golgotha. Give thanks for the blood that was shed at Calvary. Pour entrer dans ta présence avec des hymnes et de chants, Seigneur. Coming into your presence with hymns. Attendant ce jour merveilleux. Waiting for this glorious day. Où nous allons te voir face à face, Seigneur. Where we are going to see you face to face. Agrée-nous dans ta présence, ô Jésus. May you receive us in your presence, Lord Jesus. Merci pour chacun qui est venu ici. Thank you, Lord, for everyone that came. Tu nous as donné le souffle de vie. Thank you, Lord, for the breath. C'est of life. Toi la vie, Seigneur. You are the life. C'est toi qui guéris. You are the healer. C'est toi qui console. You are the comforter. C'est toi qui pardonne, ô Seigneur Jésus. You are the one forgiving, oh Lord. Tu as dit aucune puissance de l'ennemi ne peut vous nuire. You say no power of the enemy will harm you. Nous te confions nos âmes, Seigneur. Ouvre-nous ta parole. Open your word to us, Lord. Que nos âmes mangent, Seigneur. Oh, so that our souls may feed, oh God. Bénis tes saints partout. Bless your saints everywhere. Pour ta gloire, Seigneur. For your glory. Écarte-nous du chemin. Put us aside of the way. Prends notre bouche. Take our mouth. Prends nos oreilles, Seigneur. Take our ears. Pour ta seule gloire. And speak for your glory. Et pardonne nos iniquités. Forgive our trespasses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus amen. Christ. Amen. Amen. Pouvoir acclamer le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu te bénisse, pèlerin. Greet your neighbor and tell him, God bless salut you, pilgrim. Salut ton voisin. Oh, God bless you. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. God bless you. Shalom. Amen. Amen. Nous nous rassemblerons là. We shall gather up there. Quand la trompette sonnera. When the trump shall sound. Vous croyez? Do you believe that? Amen, amen. Amen to that. Le royaume est pour vous. The kingdom is for you. Écoutons la parole, lisons. Le Seigneur nous parle dans Matthieu. Let's read the word in Matthieu chapitre 25. Saint Matthew chapter 25.
Nous sommes devant le Seigneur Jésus. We stand in front of the Lord Jesus. Sa parole est plus que tout. Amen. His word is everything. Et sa parole c'est Amen. And his word is Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you Lord. À partir du verset 32. Starting from verse 32. Trente et un d'abord. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimé. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Then shall the king say to them on his right hand, come ye, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Isn't that wonderful? Mercredi, nous avons écouté la prédication Israël. Israël en Égypte. Wednesday, we listened to the tape Israel and the church. Le prophète dit qu'il avait commencé ses réunions pour le réveil. The prophet said that he started these meetings for the revival. Et que le réveil, un réveil, ce n'est pas le grand nombre. A revival, it's not a great number of people. Ce n'est pas beaucoup de chants et beaucoup de bruit. It's not very many songs and noise. Bien que ces choses l'accompagnent. Rather, those things will come along. Mais Dieu envoie le réveil, le Saint-Esprit vient. Réveillez ce qu'il y a dans votre cœur. God sends the revival, the Holy Ghost to come and revive what's already in your heart. Ce qu'il y a déjà dans votre cœur. What's already in your heart. Et il dit que nous avons été, vous avez été sauvés avant la fondation du monde. And he says that you have been saved before the foundation of the world. Dieu a préparé ce lieu où vous irez. God has already prepared that place where you shall go. Avant qu'il ne crée cette terre. Before he even created this earth. C'est comme la terre. It's just like the earth. Quand vous êtes venu, when you came, vous l'avez trouvé. You found that the earth was already there. Et quand le bébé vient au monde, when the baby comes in the world, lorsque les parents ont des moyens, when the parents are ils wealthy, s'efforcent, they will try, même s'ils n'ont pas de moyens, even if they don't have means, mais s'ils sont responsables, if they are responsible parents, ils font tout, they will do the maximum, pour que le bébé, quand il vient, trouve là où il doit être, so that the baby will find a place where he is going to dwell. Même l'oiseau, even the bird, il construit le nid. Yes, sir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. I feel good. Et le Seigneur, il dit, je vous prépare une place. Even the bird builds a nest, and the Lord said, I'm going to prepare a place for you. C'est merveilleux. That's wonderful. C'est ça. Au verset 34, là, c'est ce qu'il nous dit. And verse 34, that is what he's telling us. Je sens que je parle aux brebis. I'm feeling that I'm speaking to the sheep. Dans la prédication que nous avons entendu mercredi, in the sermon that we heard on Wednesday, le prophète dit, maintenant,
La parole s'adresse aux adultes. The prophet says the word is now directed to adults. Pas seulement aux bébés. Not to the babies. Amen. Amen. Et que ça nous fait beaucoup de joie. It's bringing us a lot of joy. Là, nous voyons dans ce que nous venons de lire. Now we see in what we have just come to read. Le Seigneur montre qu'il y a une séparation. The Lord is showing that there's a separation. Des brebis d'avec les boucs. Between the sheep and the goats. Il dit, et qu'est-ce qui sépare? He says, what is going to separate? Je ne sais pas si vous avez déjà vu le troupeau, des véritables bergers en Asie. Did you have a chance to watch real shepherds in Asia? Frère Branham en parle. Brother Branham speaks about that. Un jour, il y a quelqu'un qui a mis ça sur un site. Somebody has placed that on a website. Et c'est très surprenant. And it's very startling. Imaginez qu'il y a 200, 300 bêtes. Imagine there's 300 beasts. Il y a des boucs. There are goats. Il y a des chevaux. There are horses. Il y a des vaches. There are cows. Et le berger vient. And the shepherd will come. Il parle. And he speaks. Mais chaque brebis. And every sheep. Se détache. Hallelujah. Will come out. Donc, il ne vient pas les saisir par la main. Passe là, passe là, passe là, une centaine. Non. He's not trying to handle them with the hands. Come this side, il come this side. Il s'émet seulement devant le troupeau. He just stands before the sheep. Et quand il parle, and when he speaks, vous voyez 10, 20, 30, 100. You are going to see 10, 20. Qui commence à le suivre. 100 are starting now to follow him. Dès qu'il prend la voix. As soon as he's taking toutes the way, ces brebis sortent et le suivent. All the sheep are coming out and following him. Et les autres ne suivent pas. And the others are not following. Et si ils sont mélangés plusieurs brebis, and if they are mixed with other chaque sheep, brebis reconnaît la voix de son berger. Every sheep recognizes the voice of her own shepherd. Elles ont fait des marches. They've made a march. Le berger et ses brebis. With the shepherd and his sheep. Et c'est ce que nous sommes devant le Seigneur. This is exactly what we are in front of the Lord. Le chien ne va pas suivre. The cat is not going to follow. Le bouc ne suit pas. The goat is not going to follow. Il n'a pas ça en lui. It's not in him to follow. Le chien, le chat peuvent se défendre autrement. The dog and the cat, they can fight otherwise. Mais la brebis, but the sheep, toute sa consolation, tout son secours, tout ce qu'elle est, ça dépend de son berger. All her shepherd, all her comfort, all her deliverance and everything depends on the shepherd. Vous ne pouvez pas dire au chien ou à la poule suivez, non. You are not going to tell the cat or the chicken to follow. En lui, il n'y a pas ça. There's nothing in him to follow. Alors, Dieu fait la séparation. God is going to do the separation. Maintenant, ici. Right now. Dans ce monde. In this world. Par la parole. By the word. Il envoie son prophète. He sends his prophet. Le prophète parle. The prophet will speak. Le bouc passe. The goat, the he-goat will look. Il n'a rien pour comprendre ça. He doesn't have anything to understand that. Le coq passe. The cock is going to come il by. Il ne reconnaît pas ce langage. And he doesn't understand that language. Et en lui, il n'a rien pour faire suivre ça. And there's nothing in him to mais follow vous, that. Mais but you, vous avez entendu, you have heard, quelque chose en vous, something in you, vous a fait reconnaître, has made you recognize, que c'est la voix du Père, that is the voice c'est of the la Father. Mère aigle qui vole, it's the mother eagle flying, alléluia, amen. Et il nous dit, and he's telling us, que vous avez un royaume qui vous attend, you've got a kingdom that is prepared for you, au verset 21. Verse 21. C'est toujours le Seigneur Jésus qui parle. Still again, the Lord Jesus speaking. Il parle de talents, vous savez ça. He's speaking about the talents. Et il dit à celui qui avait fructifié ses talents. He spoke to the one who bear more fruit with the talents. Vous connaissez cette parabole? You know that parable, don't you?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas entendu ça? Is there somebody who didn't hear parabole de talent? Je veux voir. The parable of talents. Who knows the parable of talents? Vous connaissez? Tout le monde connaît. Okay. Does everybody know? Celui qui avait fructifié. The one who fructified. Le Seigneur lui dit. The Lord spoke to him. Son maître lui dit. 21. Verse 21. C'est bien bon et fidèle serviteur. Well done, thou good and faithful servant. Tu as été fidèle en peu des choses. Thou hast been faithful over a few things. Je te confierai beaucoup. I'll make thee ruler over many things. Entre dans la joie de ton maître. Enter thou into the joy of thy Lord. Dimanche passé, je disais que c'est ce que Dieu souhaite que vous entendiez. Last Sunday, veut, pas souhaite. I said that is what God wishes. Et c'est ce que chaque God wants. Chaque prédicateur. Every preacher. Chaque personne qui aime son frère. Every person that loves his brother. Souhaite qu'à la fin du voyage, un jour. No wish that at the end of the travel. Quand one day, le Seigneur revient. When the Lord shall come back. Qu'il entende, entre dans la joie de ton maître. That he may hear, come in the joy of your Je master. Je le souhaite à chacun de nous. I wish that for every one of us. Dieu nous a donné de talents. God has given us talents. Nous a donné de dons. God has given us Il dit gifts. Que votre fruit croisse. He said, let your fruit amen. Grow. Amen, amen. Amen. Et maintenant, nous continuons avec le conseil de Dieu. Now we carry on with this message, the counsel of God. Pour arriver là, to arrive there, Dieu, par son Saint-Esprit, God, by His Holy Spirit, donne des conseils à ses enfants. He's going to give advices to His Comme children. Comme vous, just like you. Quand vous marchez avec votre enfant, vous le tenez. As you're walking with your child, Au you début, handle vous him. Le tenez. You handle him. Même si on dit journée sans voiture. Even if you told that it's the day without car. Vous le surveillez. You watch him. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. This is what God is doing with us. Jésus dit dans Matthieu 25. Jesus said in Matthew chapter 25. Voici, je vous envoie des prophètes. Behold, I send you prophets. Et des sages. And wise. Et des scribes. And scribes. Vous tuerez les uns. You shall kill others. Vous crucifierez les you autres. You shall crucify others. Il dit Jérusalem, Jérusalem. He said Jerusalem, Jerusalem. Oh, combien de fois? How much have I? J'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble les poussins. Seek to gather you like the hen gathers his Alléluia. Amen. Amen. Je suis passé directement là. I went directly. Nous avons des communiqués et nous allons le faire à la fin. We have some announcements, but we'll do it at the end. Nos enfants de ville n'ont jamais vu des poules et des poussins. The children growing in town, they haven't seen chicken with chicklets and so forth. La poule, quand il y a un danger. A hen, when there's a danger. Elle ouvre ses ailes. She will open the wings. Tous les petits poussins entrent. And all the chicklets. Quand il les referme, will get in and personne when she ne grows, peut plus les voir. Nobody else can see them. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est une forteresse. And the Lord is a fortress. Quand l'ennemi vient, when the enemy comes, il ouvre ses ailes. He will open his wings. Et il nous rassemble là. And he will gather us there. Et l'ennemi ne voit rien. And the enemy will l'ennemi see ne voit nothing. Que le Seigneur. He will see only Et the Jésus Lord. Est venu dans ce monde the Lord Jesus pour came rassembler his ses poussins, to gather his chickens, ses enfants. His children. Amen. Alléluia. Amen. Vous aimez bien ça? You like that? Et il nous donne des conseils pour l'Église. And he gives us advices for the church. D'abord l'Église. First the church. Ensuite pour chacun de nous. Then second individually. Parce que l'Église c'est vous et moi. Because the church is you and me. Si vous êtes saint. If you are holy, c'est-à-dire que Dieu est en vous. Means that God is with Quand you. Le Dieu Saint est en vous, when the Holy God is with you, et que vous êtes quelque part, and that you are somewhere, c'est alors que cet endroit est saint. Then that place becomes holy.
Et pour que vous soyez saints, for you to be holy, il faut que la parole sainte soit en vous. You need to have the Holy Word in you. Dans Jean 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. In John chapter 17, it says, Father, sanctify them by par thy ta word. Ta vérité. By thy truth. Ta parole est la vérité. Thy word is truth. Alléluia. Alléluia. Donc, ce matin, so, this morning, pour que cette assemblée soit selon Dieu, For this church to be according comment Dieu veut voir cette assemblée? How God would like to see this church? Comment Dieu veut vous voir? How God would like to see you? Sur la route, on the road, au travail, at your work, chez vous en famille, at your home, comment Dieu veut vous voir? How does God want to see you? Comment Dieu vous lave? How is God going to wash you? Pour être prêt. So that you be ready. Quand Dieu regarde sur la terre, when God looks on the earth, quand il regarde ici, when he looks j'ai right mes here, enfants là. He may say, I have got Amen. My children here. Vous voulez bien écouter le conseil de Dieu? Do you want to listen to the advice of God? Amen, amen. 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 Nous allons. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. We are grateful to the Lord. Nous allons prendre la bouche autorisée. We are going to be to take the authorized mouth. Dieu a envoyé William Branham. God has sent the prophet William Branham. Comme il a envoyé Moïse. Just like he sent. Comme il a envoyé Isaïe. Or as Isaiah. Comme il a envoyé Daniel à Babylone. Just like he sent Daniel in Babylon. Comme il a envoyé Pierre pour les Juifs. Just like he sent Peter. Et qu'il a envoyé Paul pour toutes les nations de la terre. Then he sent Paul to il all the nations of the earth. William Branham. He did send William Branham. Il l'a confirmé. And he has vindicated him. Il l'a identifié. He identified him. Pour nous ramener to bring us back à la foi parfaite. To the perfect faith. Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Do you want to know the will vous of God? Regardez. Look. Vous écoutez la voix de Dieu. Listen to the voice of God. Maintenant, cette église. Now, this church. Ou une église, où que vous soyez. Any church, wherever you may be. Dans la prédication, la délivrance totale. In the sermon, total deliverance. Prêché le 12 juillet 59. 12 July 59. Au paragraphe 27. Paragraph 27. Amen. Amen. Donc ici, quand nous parlons de l'Église, now, when we speak about the church, l'Église est un lieu de sanctification. The church is a place of sanctification. De correction. A place of correction. Mais l'Église, but the church, parce que ce sont des hommes, because it's men et des femmes, and women, il y a des erreurs. They are going to have mistakes. Les humains commettent des erreurs. Human beings are doing mistakes. C'est pourquoi Jésus est venu verser son sang. That's why the Lord Jesus came to pour out les his anges blood. Qui sont restés fidèles à Dieu, the angels that stayed eux faithful ne commettent pas d'erreurs. They don't do mistakes. Mais vous commettez des erreurs. But you do mistakes. Mais par rapport à votre église, but speaking of your church, aux erreurs, speaking of mistakes, comment Dieu veut que vous puissiez vous comporter? How does God want you to behave? Par rapport aux responsables, looking at the responsible, de tous les services qui opèrent ici, of all the offices that are working pasteur, here, the pastor, les ministres, and the preachers, les diacres, and the deacons, les huissiers, and the ushers, les administrateurs, and the trustees, les uns envers les autres, one to the other, quand il y a une erreur, when there's a mistake, une faiblesse, or a weakness, comment se comporter, how to behave, comment corriger l'erreur, how do we correct the error, comment se débarrasser de cette chose, how to get that thing away. Vous êtes avec moi? Are you with me? Nous écoutons maintenant la parole de Dieu. Now, listen to the word. 27. 27.
Maintenant, il y a un groupe de fonctions dans notre église. Now, there's a group of offices of our church. Diacres, deacons, administrateurs, trustees, surveillants de l'école du dimanche, Sunday school superintendent, pasteurs, pastors, selon l'ordre établi dans notre église. As our church is set in order. Et c'est vous-même qui avez élu les frères qui occupent ces fonctions. And you, the people elected these officers. Et le pasteur. And this pastor. Amen. Amen. Nous avons. We have. Comme assemblée locale. As a local assembly. Le pasteur élu. The elected pastor. Nous avons dans l'âge. We have in dans the age. Tous les âges. In all ages. Le pasteur Jésus-Christ. The pastor, Jesus Christ, le pasteur de tous les brebis, toutes les brebis. He is the sovereign pastor of all the sheep. Et le pasteur, and the pastor, dans chaque âge, in every age, le messager de l'âge, the messenger of the amen, age. Amen, amen. C'est pourquoi ici le prophète continue. Now, il dit, the prophet, moi je suis simplement le surveillant général. I'm just general overseer. Je suis là pour veiller à ce que tout se déroule bien. Seeing that it goes on right, et pour donner des conseils, and to give advice, et ainsi de suite, and so forth. Alléluia. Amen. Le conseil du prophète, the advice c'est of the le prophet conseil de Dieu. Is the advice of God. Donc il n'y a pas que des doctrines mystérieuses et des révélations. There's not mysterious doctrines and revelations. Mais il y a des conseils pour la vie de chaque jour. But there's advice for the daily life. Peu de choses. Si vous êtes fidèle en peu de choses, if you are faithful in the little things, le Seigneur se réjouit. The Lord will rejoice. Et vous produirez beaucoup. And you will produce more. Il continue. He carries on. C'est vous qui élisez votre pasteur. You are the one who elects your pastor. Qui élisez vos administrateurs. You elect your trustees. Qui élisez vos diacres. You elect your deacons. Qui élisez chaque fonction qu'il y a dans cette église. You elect every office there is c'est in this church. C'est vous-même. You, the people. Amen. Amen. D'autres fonctions viendront. Other offices will come. Ils sont déjà là. Some are already there. Parce que l'élection, because election, l'association, association, c'est la confirmation du don qui est déjà dans la personne. It's just the confirmation of the gift that ceux is qui in the person. Font l'office de diacre ici, those who are making the les administrateurs, office of deacons, the trustee, qui le font, doing that, la monitrice de l'école de dimanche, a Sunday school teacher, comme ils le font bien. If they do it well, Dieu a mis des capacités en eux. God has placed abilities in them. Mais le prophète nous dit. Now the prophet tells us. Et c'est votre devoir. That it is your duty. De soutenir ces hommes, voyez-vous? To support those men. Car ils commettront des erreurs. Because they will do mistakes. Ce sont des mortels. They are mortal beings. Mais si le président des États-Unis commet une erreur, but if the president of the United est-ce States qu'on le renvoie mistake, comme président? Do we throw him out as president? On oublie ça et on va de l'avant. We forget about it and move on. C'est comme ça que nous voulons faire dans notre église maintenant. That's the way we want to do for our church now. Je l'écoutais prier il y a quelques instants. I was listening to him pray a few minutes ago. Pour les diacres. For those deacons. Et d'entendre là derrière à la porte and to hear back there, un témoignage des administrateurs a testimony at the door from the que trustees, vous êtes tous d'un même accord. That with one accord you all are. Maintenant, restez comme ça. Now, stay that way. Alléluia. Alléluia. Maintenant, restez comme ça. Now, stay that way. Disons amen. We say amen. Cet amen-là fait que votre parole que vous venez d'entendre ici devient un avec vous. When you say amen like that, the word that you have listened becomes one with you. Or, et souvenez-vous, and remember, une fois que vous êtes unis comme ça,
When you get this together, souvenez-vous que c'est le rôle du diable de faire en sorte que cette unité soit brisée. Remember, that's the devil's business to see that. Or, cela a toujours été et ça le sera toujours. It always has been and always will be. Mais vous soutenez vos frères qui occupent ces fonctions. But you stand by your brother's officers. C'est de ça que je voulais parler. And that was the talk that I was going to make. Alléluia. Alléluia. Nous disons amen. We say amen. Nous inscrivons ça sur nos cœurs. We write that in our hearts. Ce sont des mortels. Those men are mortal beings. Et pour détruire une église, to destroy a church, ici le Seigneur nous montre la force d'une église. Right here the Lord is showing us the strength of et a church. Et votre force and your strength. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. This is what God wants. Au ciel, ils étaient tous unis. In the heavens, they were all one. Tous les anges. All the angels. Ils étaient tous unis dans la joie. They were all in happiness. Mais Satan. But Satan. A commencé à prêcher. Started to preach. Pour montrer que c'était mieux. And to show that it was better. Vous comprenez cela? You understand? Satan cherchera toujours à montrer que lui fait mieux que Dieu. Satan is always going to try to show that he does better than God. Même dans votre vie. Even in your own life. Vous êtes un enfant. You are a child. Dieu dit que lorsque vous écoutez vos parents, vous êtes béni. God says when you listen to your parents, you are blessed. Surtout si vos parents sont des chrétiens. Moreover, if your parents are Christians, mais Satan, now Satan voudra montrer que vous pouvez faire plus. Is going to come and tell you that you can do more. Souvenons-nous toujours. Remember always que Dieu est Dieu. That God is God. Parfait. Is perfect. Et bon. And is good. Merci Seigneur. Thank you Lord. Maintenant. Now, prenons les Écritures. Let's take the scriptures. Dans Jean 13, 34. John 13. Vous connaissez cette... Verse 34. Vous connaissez cette écriture, ces Écritures. You know all these scriptures, don't comment you? Comment Dieu veut nous voir? How God wants to see us, son église sur la terre. His church on the earth. Là, il dit, d'abord au verset 13, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Verse 13, you call me master and lord, and you say, well, for so am I. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, if I then, your Lord and Master, have washed your feet, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. You also ought to wash one another's feet. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. For I have given you an example that you should do as I have done to you. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Verily, verily, I say to you, the servant is not greater than his Lord. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Neither he that is sent greater than he that sent him. Amen, amen. Faites comme le Seigneur vous a fait. Do the way the Lord has done to you. Ce n'est pas seulement une cérémonie lors de la communion. Not only a ceremonial when we do the... communion and foot washing. C'est dans notre vie de chaque jour. It's in our daily life. Amen. Dans cette assemblée et partout vous rencontrez des humains. In this congregation and anywhere else where you meet human beings. 34, Jean 13, 34. 34, John 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you,
that you also love one another. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. By this, that you also love one another. Quelle est la mesure de votre amour pour votre frère à côté de votre sœur? What is the level of your love for your brother that is by your side or your sister by your side? Vous voulez la réponse? You want the answer? Elle est là. It's there. Comme Jésus vous a aimé. Just like Jesus loved you. Amen, amen. Amen. Aimez-vous. Love each other. Comme je vous ai aimé. Like I have loved you. Parce qu'il vous a tellement aimé. Because he has so loved you. Il a donné sa vie pour vous. He gave his own life for you. Quand vous n'étiez pas aimable. When you were not even lovable. Quand vous méritiez toute la haine de la terre. When you would be worthy of all the hatred of the earth. Il vous a aimé. He loved you. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you, Lord. À ceci, 35. Verse 35. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. By this shall all men know that you are my disciples if you have love one to another. Amen. 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 Merci Seigneur. Thank you, Lord. Ça c'est envers les uns les autres. This is to one another. Envers les responsables. This is to the responsible. Ah, frère Corneille. Oh, brother Corneille. Vous souhaitez que ça se passe comme ça, mais vous voyez que ça se passe comme ça. You wish that it would go this way and it's going that way. Frère Robert. Oh, brother Robert. Frère Cavin, frère. Brother Cavin. Frère Christian. Oh, brother Christian. Le pasteur. Oh, Pastor Adams. Comment le prophète, qu'est-ce que Jésus dit? What is Jesus saying? Et s'il y a quelque chose de contraire en vous? And if there is something contrary into you? Le Seigneur nous montre comment le faire. The Lord shows us how to do it. Dans la prédication. In the sermon. La prédication. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Hebrews chapter 7. Prêché le 22 septembre 57. Preached 22 September 1957. Le prophète nous parle. Nous donne encore des conseils. The prophet is speaking to us. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. And giving us more advice. It's the Holy Ghost in him speaking. Au paragraphe 333. Paragraph 333. Vous allez mal agir, oui. Mais vous ne le faites pas volontairement. Non. Je situe le contexte. Nous parlons de vos erreurs et de mes erreurs. Now you will do wrong, but you don't do it willfully. En tant que mortel. We are speaking of your mistake and my mistakes as mortal being. That's the context. Jusqu'à l'enlèvement, vous commettrez toujours des erreurs. Up to the rapture, you will still do mistakes. Mais le prophète dit. But the prophet says. Que vous ne pouvez pas vous consoler. That you are not going to comfort yourself. Pour continuer à les faire. And carry on doing those mistakes. Vous ne pouvez pas vous consoler en disant, je suis déjà élu avant la fondation du monde, je vis comme je veux. You are not going to comfort yourself saying, oh, I'm elected before the foundation of the world, I will live the way I want. Parce que le chrétien, le croyant, because the believer, the Christian, vous êtes sans péché, c'est la Bible qui le dit. You are without sin, that's the Bible says. Comment vous êtes sans péché? How are you without sin? Parce que le sang de Jésus, because of the blood of Jesus, est toujours là. Which is permanently there. Il est un détergent. He is a bleach. Vous êtes sous ce détergent. And you are under that bleach. Quand vous commettez une erreur, when you do a mistake, normalement, vous seriez mort.
Normally you should die. Mais quand Dieu regarde, but God looking, il vous voit blanc. He sees you white. Parce qu'il regarde à travers le sang de Jésus. Because he is looking through parce the blood of Jesus. Parce que vous avez accepté Jésus. Because you have accepted the Lord Jesus. Quand vous priez, when you pray, Dieu entend Jésus. God is hearing Jesus. Quand vous priez, when you pray, Dieu voit le calvaire, la croix. God sees Calvary and the cross. C'est pourquoi il dit venez. That's why he says come. C'est sous ce sang come under the que blood. Dieu vous voit. He is looking beneath the blood. Que Dieu voit cette humanité. God looks at humanity beneath sinon the blood. Elle serait déjà consommée, brûlée. Otherwise, it would already have been burnt and consumed. Alors nous revenons au paragraphe 333. We come back to paragraph 333. Vous allez mal agir, oui. You will do wrong, yes. Mais vous ne le faites pas volontairement. But you don't do it willfully. Voyez, vous êtes pris au piège. You see, you are trapped. Et tout piège dans lequel vous tombez ou toute chose que vous ne faites pas intentionnellement. And anything you are trapped or do something that you don't mean to do it. Ce n'est pas encore le péché. It's not sin yet. Vous vous repentirez à la minute même. You repent the minute you see that you're wrong. Vous verrez que vous avez tort. The minute you see that you are wrong. C'est-à-dire vous pouvez faire quelque chose, vous croyez que c'est bien. You can do something believing that the thing is good. Parce que vous êtes dans l'ignorance. Because you are ignorant of it. Parce que vous n'avez pas encore eu la révélation. Because you haven't had the revelation mais about it. L'enfant de Dieu. But the son of God. Une fille de Dieu. A daughter of God. Un fils de Dieu. A son of God. Dès qu'il apprend que c'est mauvais. As soon as he learns that the thing comme is wrong, ce matin. Just like this morning. Il y a des choses que nous allons apprendre que c'est mauvais. There are things we are going to learn that it's à not la right. Minute. At the very avant minute, de sortir d'ici, before coming out Seigneur, there, pardonne-moi. Lord, forgive me. C'est ça, placer la chose sous le sang. That is the way you place the thing beneath the blood. Quand vous le faites de bon cœur, when you do it with non seulement heart, la chose part, the thing will go away, mais le désir de faire ça quitte. Even the desire to do it is ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. That's the work of the Holy Spirit. Mais s'il y a la rébellion, but if there's rebellion, soit either vous n'êtes pas encore converti, you are not yet converted, soit vous deviendrez pire. Either you become worse. Nous allons le voir. We are going to see it. Et le prophète continue. Vous ferez rapidement demi-tour et direz, je n'ai pas voulu. You'll turn quickly and say, ne pas I vu didn't ça. Didn't see that. C'est ce que vous direz durant toute votre vie. You'll say that all through life. Amen. Amen. Il y a des certaines choses que vous ne saurez plus réparer. Que vous ne saurez pas réparer. There are things that you won't be able to repair. Saul, Paul de Tarse. Paul of Tarsus. Ne pouvait plus ressusciter Étienne. Could not bring the life of Stephen back. Mais toute sa vie. But all his life. Il ne pouvait plus faire cette chose-là. He could not do that thing again. Alléluia. Alléluia. Un homme qui ne veut pas être comme ça, c'est pour cette raison, nous qui sommes tellement stupides et tellement dans les ténèbres ici sur terre, qu'il y a pour nous continuellement une expiation par le sang afin de nous garder couverts. Parce que sinon, à la première erreur que nous commettons, que nous, .. A man don't want to be. That's the reason that we are so stupid and so in dark down here on earth that there's a blood atonement for us all the time to keep us covered. Cause the first mistake we made, .. Maintenant, nous parlons des erreurs, des faiblesses, des comportements les uns envers les autres. We're speaking about the errors and the weaknesses and the behavior one to the other. En sortant d'ici, vous voyez votre frère en train de faire quelque chose. Going out, you see your brother doing something que vous estimez qu'un chrétien ne devait pas faire. That you believe that a Christian should not do it. Vous voyez votre sœur avec une jupe qui n'est pas bien. You see your sister with a skirt that's not right. Ou je ne sais pas comment.
or something, I don't know. Un frère dans une attitude, je ne sais pas comment. Or a brother in an attitude, I don't know. Le premier devoir, c'est de l'aimer. The first duty is to love him. C'est de prier. And to pray. Mais maintenant, il y a une attitude. Then there's an attitude que le Saint-Esprit nous montre qui n'est pas juste. An attitude that the Holy Spirit shows us. Une attitude right. Légaliste. A legalistic attitude. Attention. Pay attention. Parce que ces mots-là, ça a suscité tellement de débats et de problèmes dans les assemblées. Those words have raised debates and problems in churches. Quand il y a des citations qui sont sorties de leur contexte. If you take a quote outside of context. Ou mal placées. Or misplaced. Entre la loi et la grâce. Between law and grace. Ça peut faire beaucoup de bruit. Oh, it can make a lot of Mais il faut noise. Suivre le prophète. But you need to follow the prophet. On peut avoir une attitude légaliste. You could have a legalistic attitude. Voilà comme il est comme ça. Because he's like that. Il n'a pas le Saint-Esprit, il est rétrograde. Then he doesn't have the Holy Ghost, he's backslidden. Vous le disqualifiez directement. And you disqualify the person. Vous ne lui laissez plus la moindre chance d'être sauvé. And you don't give him any chance to be saved. Et le prophète, écoutons-le. Listen to the prophet. Il dit 334. Maintenant, voilà votre église, votre idée légaliste. Now, there's your legalistic idea. Oh, vous savez quoi? You know what? Cette femme était sanctifiée. That woman was sanctified. Mais Dieu soit béni. But bless God. Elle a fait quelque chose de mal. She done wrong. Je sais qu'elle a fait. I know she's backslid. Une erreur. That's wrong. Si elle l'a fait volontairement, ça c'est le prophète qui dit, si elle l'a fait volontairement, if she did it willfully, alors elle n'était pas en règle dès le départ. Then she wasn't right to begin with. C'est-à-dire, la personne peut venir à l'église pendant 20 ans. The person may come to church even 20 years. Mais quand elle décide volontiers de faire des choses qui ne sont pas justes, when she may decide willfully to do things, et de persévérer dans ça, and persevere into that, c'est-à-dire que même au départ, even to the beginning, sa repentance n'avait pas été sincère. Repentance was not sincere. On a plongé, nous avons plongé un canard dans l'eau. We have dipped a duck in the water, a dry duck. Il s'est mouillé dans l'eau. Wet in the water. Quand elle est sortie de l'eau, out of the water, il a fait pop, 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 pop. Shook all the water. L'eau est partie. Water went il away. Il est devenu un canard sec. And now it's a dry duck. Au départ, c'est repentez-vous. In the beginning, that's repent. Quand vous allez dans l'eau du baptême, when you go into, la chose the water mondaine the là que vous aimiez, the worldly thing that you vous like, dites, Seigneur, je n'aime pas ça, je veux te servir. Toi, tu n'aimes pas cela. You say, Lord, I don't like that. I want to serve you. I don't like that. Mais quand vous voyez une personne, but when you see a person, vous pouvez facilement la juger. And you can judge the person easily. Alors peut-être qu'elle n'a jamais été convertie. Or maybe the person was never converted. Et son temps de conversion est devant. And the time of conversion Dieu seul is sait. In front. God only knows. Et le prophète nous le dit. And the prophet says. 335. 335. C'est ne l'a pas fait intentionnellement. If she did it willfully, then et she wasn't qu'elle right. S'avance devant la Sainte Église de Dieu et confesse cela. If she didn't mean to do it and she walks before the et Holy dit, Church j'ai of God tort, and confesses it, and say I'm wrong and you forgive me. Il est de votre devoir de le faire. You are duty bound to do it. Si vous ne le faites pas, you don't do it in your heart, de tout votre cœur, then you ought to, alors c'est vous-même qui auriez dû aller à l'autel. Then yourself you ought to go to the altar yourself. C'est vrai, voilà la vraie sainteté dans l'église. True, there is the real holiness in the church. Voilà la véritable sainteté. There is genuine holiness. Ce n'est pas votre sainteté. Not your own holiness. Mais c'est celle de Christ. But the holiness of Christ. Amen. 336. 336. Le prophète applique à sa vie. The prophet applied to his own life. Je n'ai pas de sainteté à lui présenter. I have no holiness to present. Mais to je him. Me confie dans sa sa grâce. But I'm trusting in his grace. Et je l'ai dans mon cœur. And I have it in my heart. Je ne l'ai pas mérité.
I have unmerited it. Il n'y a rien que j'ai pu faire pour la mériter. Nothing I could do to deserve it. Mais c'est par sa grâce qu'il m'a appelé. But by grace, he called me and invited me. Et m'a invité à venir. Amen. Je me suis tourné vers lui et il a enlevé de moi le désir. And I looked to him and he took the desire away from me. Je fais des milliers d'erreurs chaque mois, chaque année. I make thousands of mistakes. Amen, amen. In each month, in each year. Là, c'est William Branham. That is William Branham himself. Je fais des milliers d'erreurs chaque mois, chaque année. I make thousands of mistakes in each month, in each year. Attention. Be careful. Quand je tombe là, when I je step dis on that, attention. I say pay attention. À l'interprétation du malin. To the way des citations mal placées. The evil one will interpret or misplace quotes. Parce que le diable a donné à certains de chercher les erreurs du prophète. Because the devil has given other people the eye to hunt for the prophet's mistakes. Vous trouvez sur un site les erreurs de William Branham. Ne lisez même pas. You go to a website and you see the mistakes of William Branham. Don't even read that. Déjà, le Saint-Esprit me dit de ne pas chercher les erreurs qui sont dans mon frère. Even the Holy Spirit says, don't hunt for the mistakes that are in your brother. Mais ici, and now, il confesse, il dit, he is confessing and he's saying, il dit certainement, mais quand je vois que je suis fautif, je dis, oh Dieu, je n'ai pas fait exprès, tu connais mon cœur. Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai été pris dans ce piège. But when I see I'm wrong, I say, God, I didn't mean to do it. You know my heart. I didn't mean to do that. I was trapped into that. Je n'ai pas fait exprès. Pardonne-moi, Seigneur. I didn't mean to do it. You forgive me, Lord. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Paul says, be ye my followers like I follow Christ. Et Paul recommande à tous ceux à qui il a prêché. And Paul recommends to all to whom he preached. Dans Hébreux 13, 7. In Hebrews 13, verse 7. Il est dit, regardez la vie de vos conducteurs qui vous ont apporté la parole. It is saying, look at the life of your leaders that brought the word of voyez God to you. Voyez la fin de leur vie. And look at the end of imitez their lives. Imitez leur foi. And follow their faith. Non seulement Dieu nous envoie le prophète. Not only does God send the prophet, le prophète prêche le message. The prophet preaches the message. Mais le prophète vit son message. But the prophet lives his own message. Et devient le modèle dans l'âge. And becomes the model. Alléluia. In the age. Yes, sir. Amen, amen. Amen. Je vous ai donné tout le conseil de Dieu. I gave you the whole counsel of God. Ça, c'est l'Église, les membres. This is the church and the members. Dans une délivrance totale. If we go to a total deliverance. Au paragraphe 59. That's paragraph 59. Donc, Dieu veut que nous soyons unis. Unis, unis dans l'amour. God wants us to be united in love. Au paragraphe 57, je crois ça nous l'avons eu là le dimanche passé. 59. I think it's 57 up to 59. Délivrance totale. Paragraphe 59. Paragraphe 59. Si un membre commet une erreur. If a member makes a mistake, ne le repoussez pas. Don't turn him down. Je veux entendre un amen. I want you to say amen. Ce sont les commandements du Seigneur. Those are the commandments of the Lord. Ne le repoussez pas, aidez-le. Help him. Relevez-le. Raise him up. Votre frère, votre sœur qui est dans l'erreur. Your brother, your sister il in the mistake. Il est à terre. He's down. Celui qui l'a jeté dans l'erreur, ce n'est pas Dieu.
The one who throw him in the mistake is not God. Vous êtes sur les rails. You are on the railway. Non, sur la voie. Or on the way. Et votre frère, votre sœur, par inadvertance, il tombe là. And your brother, your sister, ou votre enfant tombe. Falls there, or your child falls there. Qu'est-ce que vous faites? What are you going to do? Vous contentez de le réprimander? You are going just to rebuke him. Le geste automatique, c'est le bras. The automatic gesture pour is le the hand to help him stand. L'amour est automatique. Love is automatic. Votre frère qui est dans l'erreur. Your brother that is in frère error. Branham dit, ne l'enfoncez plus. Don't you turn him down. Amen, amen. Amen, amen. Oui, ça me réjouit d'entendre ces amens. Amen. Ça réjouit le Saint-Esprit. It's rejoicing to the Holy amen. Spirit. Amen. Réunissez-vous, n'avez qu'un entretien les uns avec les autres. Get together, have a hearing with one another. Voilà ce que l'Écriture dit. That is what the scripture says. Quand nous commettons une erreur, when we make a mistake, allons auprès de Dieu. Let's go before God. Avant d'aller auprès de Dieu, before we can go nous before devons God, aller auprès de la personne que nous avons offensée. We got to go before the person we hurt. Ça, c'est nos erreurs. This is about our mistakes. J'ai offensé frère Robert. I hurted brother Robert. La première attitude du chrétien. The first attitude of the Christian. Quand le Saint-Esprit vous dit, when the Holy Spirit tells you, n'attendez pas que le pasteur ou tel frère vienne vous dire vous avez mal fait. Don't wait for the pastor or this brother to tell you. Un murmure doux. There will be a sweet whisper. Le Saint-Esprit vous dira. The Holy Spirit will say. Est-ce que c'était correct que vous fassiez comme vous avez fait là? Was it right what you did? Et vous avez senti que c'est le Saint-Esprit. And you will feel that it's the Holy Spirit. Mais quelque chose a résisté, vous avez parlé. And something resisted, you spoke. Et vous avez blessé votre frère. And you hurted your brother. Quand vous voulez vous habiller n'importe comment, when you want to dress no way, le Saint-Esprit va vous rappeler les prédications. The Holy Ghost will bring back the preaching. Est-ce que cette jupe-là, c'est correct? Is that skirt correct? Et en vous, dites mes meilleurs amis du groupe. But within you, you'll say my best friend in the mais group. Mais en vous, but in you, vous sentez que ce n'est pas juste. You feel that it's not right. Alors le prophète nous montre comment réparer nos erreurs. The prophet will show us how to correct our mistakes. C'est la Bible qui nous le montre. That's the Bible who is teaching us the je thing. Crois que c'est dans Jacques qu'il est dit. I see in James. Jacques 5, 16. James chapter 5, verse 16. Il dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Confess your sins one to the other. C'est ça, les placer dans le sang. That is the way you put it in the blood. Bon, maintenant, now, et pour l'Église, for the church, et pour vous-même, and for yourself, et pour la famille, and for the family, lorsqu'il y a quelque chose, when there's something, des éclats de voix, people shouting, des martèlements ou des coups, somebody hitting on a furniture or Dieu beating. Dieu dit que c'est pas juste. God says this is not right. Dans Isaïe 58, vous pouvez le lire. It's written in Isaiah 58. J'en profite pour vous exhorter à lire, écouter votre Bible, lisez, lisez, lisez la Bible. I'm exhorting you to listen and read your Bible. Read your Bible. Alors vous voyez quelqu'un qui est dans son coin fâché. And you see somebody in his corner, very angry. Et vous allez pour vous mettre à genoux et prier. And you go and kneel down and pray. Non, Dieu ne veut pas ça. God doesn't want that. Là, vous n'êtes pas sous le sang. Venez avec cette chose sous le sang. You are not in, under the blood. Bring that thing under the blood. Le diable va envoyer tous les démons. The devil is going to send l'orgueil, all the demons. Tout. Pride and everything. Il se prend pour qui? Who does he il think va me is? Prendre pour quoi? Who, pour qui? Who does he, is he going to take? Non, en Jésus, nous ne sommes rien. No, in Jesus, we are nothing. Si c'est votre épouse, if it's your wife, chérie, darling, je ne voulais pas le faire. I didn't want to do that. Vous me connaissez. You know me. Je lutte contre ça. I'm fighting against that. Je me mets facilement en colère. I get angry very quickly. Prie pour moi. Pray for me.
Et la chérie ne dira pas, tu le dis toujours, tu le dis. Non. And the darling wife will not say, oh, you always say that. You Nous always avons say écouté that. Ici. We heard here. C'est votre devoir. It's your duty. Pierre est venu voir le Seigneur. And Peter came to Combien the de fois dois-je pardonner? How many times shall I forgive? Si mon frère me fait du mal. If my brother hurts me. Et avant de répondre, avant que Jésus lui réponde, before Jesus would answer him, lui-même s'est fixé une limite. Himself put a limit. Je pardonne 7 fois. I will forgive 7 times. Le Seigneur l'a regardé. The Lord looked at him. Il dit 77 fois 7. 70 times 7. Hallelujah. Oh my, my. Amen, amen. Amen. C'est le même Dieu de Pierre que nous prions. The same God of Peter we are praying. Ça sont les choses de la vie. Et plus vous sentez que ce pardon ne passe pas, plus vous vous mettez à genoux. Those ça vous fait du bien. Are the things of life. The more you feel that pardon is not going through, the more you pray. À ce moment-là, ta prière. At that time, your prayer ça sera, Seigneur, aide-moi. Will be, Lord, please help Donne-moi me. Ton cœur, Seigneur. Give me your own heart. Quand l'Esprit du Seigneur est en vous, when the Spirit of the Lord is with il agit you, à travers vous. He will act through you. Et frère Branham l'a fait. And brother Branham did it. Vous connaissez l'histoire, le témoignage de l'affaire d'impôts. You know the testimony of the income tax c'est affair. Dans cette prédication à partir de paragraphe 60 jusqu'à 78. He speaks about it in this sermon from paragraph 60 and the rest. Alléluia. Alléluia. Et là, nous, je vais relier ça à d'autres points qui suivent. I will link it to other points. Le prophète l'a fait dans sa vie. The prophet did it in his life. Il était tellement, si vous voulez avoir des choses qui dérangent la vie de quelqu'un sur cette terre, if you want to look at things that are disturbing life in, on this earth, c'est la justice. It's the la justice de ce monde. Of the justice court. Quand ils vous poursuivent pour quelque chose, if they follow you for something, oh, vous avez brûlé un feu rouge, oh, you went through a red robot, vous auriez souhaité de payer une amende, you would like to pay a bill, que de recevoir une notification d'huissier pour aller au tribunal. Rather than to receive a notification to go to court. La justice de ce monde vous dérange. The justice of this world Et is going to disturb frère you. Branham était poursuivi parce qu'ils avaient estimé qu'il n'avait pas payé ses impôts. And Branham was accused of not paying his tax. Donc, toutes les dîmes, toutes les offrandes, tout ce qui entrait pour eux, il fallait payer les impôts. Lui ne savait pas, il ne connaissait pas ces choses. All the tithes, all the offerings, every money that was coming in, they had to pay the tax, but he didn't know about it. Alors, ils ont fait un procès. Chaque jour, les téléphones sonnaient. They did a court trial to him, and every day they would phone him. Et lui, il ne comprenait pas ces choses. And he was not understanding those things. À un moment, il a dit, il avait même envie de quitter cette terre. At a certain time, he felt like even leaving this earth. Un jour, il était là. One day, he was there. Je crois dans son salon. It was in his lounge. Le téléphone a sonné. And the telephone rang. La sœur Maida, son épouse, a pris. And Sister Maida, his wife, took the phone. Il a dit, c'est encore des huissiers ou des avocats. She said, oh, this again those advocates. Frère Branham a dit, dis-leur je ne suis pas là, et il est sorti. And Brother Branham says, tell them I'm not there, and he went out. Pendant qu'il sortait, Maida la suivait. As he went out like this, Maida followed. Frère Branham dit que son épouse était très sensible à des petites choses comme ça. Brother Branham says that his wife was very sensitive to those Et il est parti. Things. And she went. Et pendant qu'il partait là, and as he went, il avait eu un appel pour aller prier pour un enfant malade. He got a call this side to go and pray for a sick child. Il est arrivé. He came. On a présenté l'enfant. They presented the child. Juste au moment où il veut imposer les mains à l'enfant, right at the time he wanted to la lay même hands. Voix qui lui parlait, the same voice that used to speak depuis to him. Son enfance, from childhood. La voix qui avait parlé à Moïse, the same voice that spoke la to voix Moses. Qui a écrit la Bible, the voice that wrote the Bible. Dit, hey, tu n'es pas digne. Said you are not worthy.
Tu es hypocrite. Hypocrite. Tu as menti. You lied. On fait une pause là-bas. We make a pause there. Ça, c'est le prophète de l'âge. That's the prophet of the age himself. Pour ce que nous dirions une très petite chose. We today are going to say a very, very small thing. Il n'a pas agi par témérité. He didn't do with audacity. Il ne s'est pas mis à crier, sors! He didn't scream, go out. Frère Branham dit, Brother Branham said, que lorsqu'au milieu de vous, il y a un péché inconfessé, that there's unconfessed sin in the church among même you, en vous, even within you, Satan connaît ses droits devant Dieu. Satan knows his own rights in front of God. Mais la chose que Satan voit d'abord en vous, but the thing that Satan will first c'est see votre you, vie. It's your own life. Amen. Amen. Il dit, une vie qui applique ces choses, a life that c'est un tonnerre devant Dieu et devant le diable. Is a thunder before God and before the devil. Alléluia. Alléluia. Et frère Branham me regardait là. And Brother Branham will look at that. Il n'a pas eu honte. He wasn't ashamed. Il n'a pas fait comme on peut voir aujourd'hui. He didn't do the way we see today. Quelqu'un qui vient avec une troupe de pour voir miracles, non? A great group coming to see miracles. Il a dit, messieurs, s'il vous plaît. He said, sirs, please. Attendez, j'ai quelque chose à réparer. Wait a minute, I need to make things in order. Il est rentré. He went back. Il a trouvé Maida triste. He found his wife Maida very sad. Qu'est-ce que c'est la chose qu'il fallait faire? She said, were you sure that this was Frère the thing Branham a repris le téléphone. And Branham took the telephone. Il a appelé le numéro qu'il avait appelé. And called back those numbers. Monsieur le procureur ou l'avocat. Mr. Advocate. C'est moi. It's me. Je crois il est allé, je viens vous voir, il est allé le voir. I believe he went to see him. Quand vous m'avez appelé, when you called me, j'étais là. I was right there. J'ai menti. And I said a lie. Et Dieu n'aime pas ça. And God moi is not aussi, happy. Pardonnez-moi. And I'm asking you pardon me. Hallelujah. Hallelujah. Dieu a confirmé William Branham non seulement dans les choses les plus élevées, mais même dans l'humilité. God has confirmed Brother Branham not only in the powerful things et l'obéissance but à la parole. In humility and obedience to the word. Alléluia. Alléluia. Et si vous marchez sur les pas du Seigneur Jésus, and if you follow the footsteps of the Lord Jesus Christ, ce n'est pas vous qui forcez. You are not going to force. Le Saint-Esprit en vous, the Holy Spirit in you, va agir en vous. Is going to act within you. Le procureur l'a embrassé. And that advocate embraced him. J'ai toujours eu confiance en vous. I've always trusted you. Mais maintenant, but now, j'ai encore davantage confiance en vous. I have more confidence in you. Alléluia. Amen. Vous êtes enfant à la maison. You are a child at home. Vous avez menti. You have lied. Vous avez fait quelque chose de mal. Or you did something wrong. Là, c'est un autre point qu'on aborde, je relise. It's another point that des I'm choses connecting. Que le diable, avant nous avons vu, c'est que Dieu veut pour fortifier chacun de ses enfants. We have seen what God wants to strengthen all his children. Et l'assemblée. And the church. L'église. The congregation. L'unité. Unity. La communion. And fellowship. Mais la communion avec Dieu. But fellowship with God. C'est ce qui fait la communion entre nous. That will strengthen the fellowship. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Now, what does the devil do? Vous voyez, même frère Branham, even Brother Branham, il dit, je ne suis pas immunisé. I am not immunized. Vous ne pouvez pas dire, ah, tu es un démon. Non. You cannot say, oh, you are a demon. Mais le démon est toujours là, même ici, ils sont là. But the demons are always there. Il right cherche here. Dans quel esprit entrer. He is going to try which spirit dans to get quel in. Corps entrer plutôt. Which body to get in. Et il vous tend un piège. And he's going to trap you.
Il a exaspéré frère Branham. He aggravated Branham. Et il a menti. Lui-même dit, j'ai menti. And he lied. He said himself. Donc le diable spoke a lie. Utilise le mensonge. The devil will use a lie. Le diable. The devil will use. Utilise la calomnie. Slandering. Le diable. The devil. Utilise la médisance. Will use backbiting. Le diable. The devil will use. Utilise la critique. Criticizing. Quand il veut détruire cette église, if he want to destroy a church, il lâche un démon. He will send a demon. De mensonge. A demon of lie. Quand il veut détruire la famille, when he want to destroy family, vous détruire, or destroy yourself, il envoie ce démon. He send that demon. Il a détruit Akab avec un démon de mensonge. He destroyed Akab with a spirit of lie. Qui est entré même dans ses prophètes. That spirit of lie went through all the prophets. Nous y allons petit à petit. We're going step by step. Et je reviens à frère Branham. And I'm coming back to brother Branham. On va parler en détail de démons de mensonge. We are going to speak in detail about the alors frère Branham, spirit of lie. Quand il a confessé, and when brother Branham confessed, il est rentré chez l'enfant malade. He came back to the sick child. Il a dit, je reviens. He said, I'm back. Venez avec l'enfant. Please bring the child. Au nom du Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus. La guérison là. And healing came right alléluia. There. Alléluia. Ce sont des choses qui nous enseignent. Those things are teaching us. Il a regardé un homme. He looked at a man. Cet homme était avant catholique. That man was Catholic before. Et puis un jour, il devait subir une opération. And one day he had to be operated. Il est venu chez frère Branham. He came to brother Branham. Il dit, je serai opéré demain. He said, I will be operated tomorrow. Mais je ne souhaite pas aller me faire opérer. Vous pouvez voir ma vie. But I don't want to be operated. You can look at my life. Ça, c'était les services d'entretien. That was a service of interviews. Les gens venaient parler seulement avec frère Branham. The people would come during interviews. Et le Seigneur lui montrait des choses dans leur vie. And the Lord will show visions of their. Il le regarde. Then he will look. Il dit, je ne vois rien dans ta vie. He said, I don't see anything in your life. Mais quand tu étais jeune. But when you were young. Enfant. You were a child. Il y a une chose que tu avais faite quand tu étais enfant des cœurs. À l'église catholique. There's something you did when you were comment on dit ça encore? Oh. Quand tu étais choriste. When you were sacristan in the Catholic Church. Il dit c'est tout, il dit oui, c'est la seule chose que je vois dans ta vie. Is that all? Yes, this is the only thing I see in your life. Il s'est repenti. And then he repented. Il est allé. Then he went. Son cœur avait des valves, je ne sais pas comment dire ça. His heart had some valve problem qui ne fonctionnait pas bien. That were not functioning properly. Il est venu chez le docteur. He came to the physician pour l'opération. On l'a apprêté. For the operation. Et le médecin dit, attendez qu'on examine encore ce cœur. And the cardiologist said, let's examine again this ils heart. Ont fait la, ils ont pris la photo et tout. They did all the imaging ou again. Cardiographie, je ne sais pas quoi. The imaging again. Il dit, mais monsieur, tu n'as plus besoin d'être opéré. And they said, sir, you don't need no regardé. More operation. They looked completely. Voilà. Une chose. One thing. D'il y a très longtemps. Of very, very, very far behind. Que le diable retenait contre. That the devil was holding against the person. C'est des petites choses. Quand nous voyons ça, ça nous lave, ça nous prépare. When those are little things, when we see that. Et le prophète dit que le temps n'efface pas le péché. Time doesn't erase sins. Tu as offensé ton frère? You turn down your brother? Ou ta sœur? Or your sister? Ou ton ami? Or your friend? Ou ta famille? Or your family? Mais il s'établit un froid entre vous. Then they come now cold between you. Il peut se passer 10 ans, 20 ans. That may do 10 years, 20 years. Même quand vous allez vous reparler. Even when you talk again. Il faut que cela soit placé sous le sang. That should be brought
underneath tu dois dire au Seigneur, you need to say to the Lord, Seigneur, je ne voulais pas. Lord, I je didn't ne want veux to do pas it. Ça. I didn't want to do bien-aimé, it. Dieu te bénisse. Beloved, God bless you. Alléluia. Frère Branham dit, j'aime ces poignées de main. Brother Branham says, I like those handshakes. Et le diable n'aime pas ça. And the devil doesn't like that. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Now, what is going to happen? Frère Branham rentre à la maison. Brother Branham goes back home. Son fils, son tout jeune frère, frère Joseph. He's a young child, brother Joseph. Quand il était petit, when he was still a young boy, le téléphone sonne. The telephone rings. Avant que papa prenne le téléphone, before the father takes the phone, Joseph a couru. Joseph now runs papa, the phone. Tu veux que je leur dise que tu n'es pas là? Daddy, do you want me to tell them that you are not there? C'est le prophète qui parle de sa vie. The prophet himself speaking of his own life. Mais c'est quoi? What happened? Il dit, mais c'est quelle famille? What family now? Il n'a jamais dit à Joseph. He never said to Joseph. Mais quand il disait à Maître, dit que je ne suis pas là, Joseph, c'est un enfant. But when he was telling his wife, Maître, tell them I'm not there. Cet Joseph esprit a, s'est installé là. That spirit was right there. That's comment réparer nos erreurs? How to repair our mistakes? Comment déraciner, éradiquer le démon de mensonge? How do we uproot this spirit le of lie? Le lendemain, the next day, frère Branham a pris sa Bible, il est sorti. Brother Branham took his Bible and went out. Son épouse dit, où vas-tu, chérie? And his wife says, where are you going, darling? Dans ma caverne. He says, I'm going to my cave. Je vais prier toute la journée. I'm going to pray the whole day. Que le Seigneur m'enlève cette chose-là. So that the Lord will take that spirit of lie away. Ne minimisez pas. So don't minimize c'est that. Un esprit va commencer à te suivre pour chercher la meilleure opportunité. That spirit is going to follow you to find the best vous opportunity. Confessez, you confess that. Vous priez. And you pray. Frère Branham est allé dans la caverne. Dans la caverne, c'est un endroit où il s'est retiré pour prier. Brother Branham went to his personal cave that he used to go to pray. Vous pouvez avoir votre hôtel dans votre maison. You yourself can have your own altar in your own home. Vous pouvez avoir votre hôtel ici. You can have your own altar right here in church. Vous venez avant. You come before. Vous mettez là, vous priez. You stay there at the altar and si on pray. Y travaille encore, vous montez. If they are still working here, vous you dites au bien-aimé, je vais prier parce que c'est des 30 minutes de prier. And you are going to say, beloved, I want to pray. It's 30 minutes Seigneur, of prayer. Enlève-moi ça. Lord, take this thing out. Le Saint-Esprit vous montre quelque chose. Enlève-moi. The Holy Spirit shows you something. You pray, take it out. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen, praise amen. Be to God. Amen. Ça, c'est... Maintenant, now, prenons Apocalypse 22. Now, let's take Apocalypse, Revelation 22. Mais vous connaissez ces choses. Si je mets à lire, vous allez... You know these things. Amen. Amen. Et la parole, c'est ça, notre nourriture. The word, that is our food. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 22. Revelation chapter 22. Verset 15. Verse 15. Au verset 14. Verse 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life. Et d'entrer par les portes dans la ville. And may enter in through the gates into the city. Amen, amen. Amen. Nous lavons nos robes. We do his commandments. Dehors les chiens. Without out the dogs. Les enchanteurs. The sorcerers. Les impudiques. The warmongers. Les meurtriers, murderers, les idolâtres, and idolaters, et quiconque aime and whosoever loves et pratique le mensonge, and makes a lie. Donc le magicien,
The sorcerer. Un chanteur. The sorcerer. Sataniste. The satanist. Impudique. The warmonger. L'impudique, c'est la personne qui n'a pas honte, qui exhibe son corps. The warmonger is the person that is not ashamed and is showing his body. Qui aime voir. That loves to look. Qui n'a pas honte. Is not ashamed. Qui n'a pas de pudeur. He has no shamefulness. Mes amis. My friends. Mes sœurs, mes frères. My sisters, my brothers. Surtout à l'école. Moreover, at school. Au travail. Or at work. Les impudiques. The whoremongers ont des mauvaises plaisanteries. They have bad. Ils aiment vous toucher. They love how to pat on you. Et quand vous sentez que vous aimez, il va exciter votre chair. And if you feel that you like it, it's going to stimulate dans your flesh. Dans vos groupes des réseaux sociaux. In your group of social network. Il y a des impudiques ou une impudique qui va chercher à influencer pour que vous soyez sexy. There is going to be whoremongers that is going to influence you to become sexy. Le conseil de Dieu vous dit. The advice of God is vous to say, montre to show you que vous ne devez pas être de cette catégorie. That you need not be on that category. Vous voyez que ici le Seigneur les place tous dans le même paquet. You see here in the scripture the Lord places them all in the same package. Même si la loi du pays permet que vous marchiez torse nu. Even if the law of the country allows you to walk bare-breasted. Même s'il y a un groupe de femmes qui trouvent que la mode c'est de se promener poitrine nue. Even if there are women that says that it's fashionable to walk out topless. Ça, ce sont les lois de la terre. Yeah. Those are the earthly laws. Mais nous, la grâce nous a délivrés de ces lois. But us, grace has delivered Alleluia. Us from those laws. Amen. Amen. Et ce qui attend ces personnes, and what is awaiting those people, c'est la seconde mort. Is the second death. Les temps de feu. The lake of fire. Où leur père, where their father, le père du mensonge, the father of lie, c'est dans Jean, je crois, oui. I believe it is, vous pouvez John, noter ça. You can, Jean 8, 44. Write that. John 8, 48. Le Seigneur dit que le diable est le père de mensonges. The Lord says that the devil is the father of lies. Vous êtes à l'école. You are at school. Vous êtes de l'école, vous allez je ne sais pas où. And you're going somewhere. Vous pouvez voir dans toutes les gares, il y a toujours des enfants qui traînaillent là. You are going to see in all the railway stations children waiting. Vous êtes où? Where are you? Ah, je suis encore à l'école. Oh, I'm still at school. Ce n'est pas moins que ce que Frère Branham a fait. It's just the same lie like Brother Branham did. Dans la prédication dès ce moment. In the sermon from this Frère Branham time. Dit que dès ce moment-là, il y a un démon qui vient. There is a demon coming. Quand vous mettez en pratique le démon de mensonge parle en vous, vous devenez menteur. When you practice lies and you become a liar. Amen. Amen. La vérité, vous connaîtrez la vérité vous libérera. You shall know the truth and the truth shall make you free. Un autre démon. Another demon. Si vous le laissez agir, if you leave him alone, il détruit tout. He's going to destroy everything. Le démon de mensonge, nous l'avons discerné et nous disons, nous n'en voulons pas. The spirit of lie, the demon of lie, we have discerned it and we don't want it. S'il entre en moi, s'il entre en frère Adam, s'il entre dans quelqu'un, il sème le désordre et la vérité devient. Donc, il peut mettre 99% du message. Et 1% de mensonges. If he gets in me, if he gets in Brother Adams, he's going to spread even 99% of truth and 1% of lie. Démon de médisance. The demon of slander. La médisance de parler mal d'un frère. Slander of speaking evil about a brother. Le prophète dit, si vous voulez parler de quelqu'un.
The prophet says, if you want to speak about somebody, à quelqu'un d'autre, to someone else, trouvez dans sa vie ce qu'il y a de mieux. Find the good thing in his life. Ah, vraiment, si ce n'était pas frère Cavin. Oh, if it wasn't brother Cavin. J'allais traîner ici, mais je l'ai vu passer. Il est venu comme un ange. Il m'a pris et il m'a amené. I was going to delay here, but he came just like an angel. He took me in his car and brought me to my home. Même si ce frère-là vous a déjà dépassé un jour pendant que vous attendez, il est passé. Even if that brother has passed by you one day and seeing you but went through. Mais si vous voulez parler de lui à quelqu'un d'autre, if you want to speak about him to somebody else, vous a fait. Speak about the good that he did for you. La médisance. Slandering, c'est mal parler de quelqu'un. Is speaking bad about somebody. Psaume 50. In the book of Psalms 50, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. I've given you all the advice of God. Le diable utilise la langue. The devil is going et to les use, oreilles. The tongue and the ears. Le prophète nous dit, the prophet faites attention us, à ce que vous écoutez. Be careful to what you are hearing. Psaume 50. Psaume 50. Le Seigneur parle à ses enfants. The Lord is speaking to his children. Verset 21. Verse 21. 20, 21. Verse 20 and 21. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Thou sit and thou speak against thy brother. Tu diffames le fils de ta mère. Thou slanderest thy own mother's son. Voilà ce que tu as fait. These things hast et thou je done. Me suis tu. And I kept silence. Tu t'es imaginé que je te ressemblais? Thou thought that I was mais altogether. Je vais te reprendre. Such as one as thyself, et but I will reprove sous thee. Tes yeux. And set them in order before thine eyes. Tu as ton téléphone. You've got your telephone. Frère Dupont. Oh, brother Dupont. Ah, aujourd'hui vraiment à l'église. Oh, today in church. Frère tel. Oh, this other brother. Parfois même la prédication. Or even the sermon. Mais il n'a parlé que de moi. He spoke only about me. Ah oui, il faut. Si vous sentez que la parole touche votre cœur, if you feel the word is touching your heart, louez Dieu. Amen. I praise God. Amen. Parce qu'il y en a qui ne sont pas touchés. Amen. Because others are not even touched. Chaque conversion. Every conversion. Parce qu'un jour quelqu'un a parlé, ton cœur a été vivement touché. Is because somebody spoke c'est and your heart grâce. Was touched. And that is a grace. Vous êtes passé quelque part. You went somewhere. Vous voyez le frère ou la sœur. You saw the brother or the sister. En train de faire je ne sais pas quoi. And they were doing something. Et aujourd'hui, on est même capable de filmer. And today you are even able en to, cachette. To film. Vous ne voulez pas le saluer pour dire, mon frère, non, vous filmez. You don't want to greet him. À la minute, vous balancez. And then you send frère it all tel, over. Frère tel, frère tel. Oh, that brother, that brother, that brother. Ça, c'est la médisance. This is slandering. Dieu n'aime pas ça. God doesn't like et that. Et quand ça entre dans l'église, and when he gets into a le church, diable peut tuer l'église. The devil is going to kill the church. La sœur appelle. Oh, that sister calls. Et je me souviens que le pasteur l'avait déjà, frère Adams l'avait déjà dans ses prédications. I remember that Pastor Adams said that in his preaching. Vous connaissez frère Dupont a fait ça et ça. You know brother Dupont did this and that. Vous qui écoutez ça. You that are listening to that. Selon le prophète. According to the prophet. Vous ne devriez pas écouter. You should not even listen et to continuer that. À écouter. Or keep on listening to that. Vous salissez votre robe. You are actually dirtying your si own je gamut. Veux parler de mon frère Pépin, if I want to speak about à frère Pépin, Robert, to brother Robert, ça doit être des choses que je peux répéter en sa présence. I need to be able to say those things in his very presence. Lorsque la sœur ou le frère vous parle,
When the brother or the sister le conseil speaks to you, de Dieu. The advice of God. Oui, frère, oui, sœur. Yes, brother, yes, sister. Est-ce que vous lui avez parlé? Did you yourself speak to him? Alors, si vous entendez, oh non, ne lui dites rien. If you hear, oh, don't say anything to him. Là, c'est déjà l'atmosphère du mal. That is already the atmosphere of the devil. Vous aussi, vous prenez le téléphone. You also taking the telephone. Sœur Y. Oh, sister. Dieu vous bénisse. God bless you. Vous parlez de tout. You speak about mais everything. Vous voulez arriver à parler de ça. But you are driving to speak about that. Et vous devenez une station relais. And you become a relay station. Nous voulons être les relais du Saint-Esprit. We want to be the relay of the Holy Ghost. Ouais, le téléphone, il est ici. You see the telephone? Pour qu'il arrive, j'appelle quelqu'un qui est à New York. If I call somebody in New York, il y a des fibres optiques invisibles sous l'océan. There's optic fibers under the ocean. Il y a des stations relais à chaque kilomètre. And there is a relay station every kilometers. Et le diable travaille de cette façon. The devil is working that way. Et chaque fois que le téléphone appelle tel et c'est déformé. Every time the telephone we call this, that and that, it's deformed. Le frère Pépin. And brother Pépin. Il va seulement constater que le frère qu'il salue, ah, frère Pépin, Dieu vous bénisse, il devient froid. He is only going to notice, oh, brother, God bless you. The vous other brother allez le sentir, cold. La personne n'a plus la même, votre influence est morte sur cette personne. You are going to feel it that your influence is dead on this vous person. Savez le pasteur. You know the pastor. Pour que le pasteur soit bénéfique, que sa prière guérisse, for que the, sa prière vous bénisse. For the pastor to have a benefit and for his prayer to heal vous you. Vous devez avoir confiance en lui. You need to have a trust in him. L'ange a dit à frère Branham, si tu les amènes à te croire. The angel said to brother Branham, if you bring them to the situation where they are trusting you or believing you. Mais si l'ennemi a déjà tellement parlé contre, but if the enemy has already spoken a lot, c'est terminé. It's finished. On va être là, il y a de la haine à gauche et à droite. We sit here and there will be hatred left. Le diable right. Regarde. The devil look. And it's cold. Dès qu'on sort, chacun veut partir. And when you want to go parce out, qu'il y a déjà eu la semence de discorde. Everybody wants to go home because the seed of discrepancy is already c'est there. Le temps. It's the time. D'appliquer, de vivre ce message. It's to apply and live this message. Tite chapitre 3. Titus chapter 3. Tite, chapitre 3. Est-ce que j'ai le verset? Je vous ai donné tout le conseil de Dieu. C'est ce que Paul nous a dit et le prophète l'a répété. Yes, I've given you the full counsel of God. Versets 1 et 3 et même à 7. Verse 1 to 7. Bien-aimés, quand vous prenez ces évangiles, ces lettres, when you take this gospel and those letters, donc, nous sommes avec vous, we are with you, à Jérusalem, in Jerusalem, ou à Corinthe. Or in the city of Corinth. Et je vous invite à l'église. And I invite you to church. Et c'est l'église de l'apôtre Paul. And it is the church of et the apostle Paul. Et ce que vous Paul. Écoutez là, and what you c'est are sa prédication. That is his preaching. Alléluia. C'est pourquoi de l'autre côté, that's why on the other side, frère Branham a entendu ses bien-aimés dire, brother Branham, I heard the beloved tu say, seras jugé. You will be judged. Il dit, est-ce que ceux de Paul vont passer? Those of Paul will there be judged too? Il dit oui. Yes. Est-ce que ceux de Pierre vont passer? Those of dit Peter. Oui. Yes. Et toutes les millions de voix ont écrit, se sont écriées. Nous nous reposons là-dessus. All the millions of voices they shouted. Hallelujah. Resting on that. C'est pourquoi nous aussi.
That's why we also. Nous ramenons à ça. We also bring back to this. Nous sommes dans l'église de Paul. We are in the church of Paul. Il parle au pasteur Tite. Is speaking to the pastor Titus. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats. Put them in mind to be subject to magistrates. Et aux autorités. And principalities. D'obéir. And to be ready. D'être prêt à toute bonne œuvre. To obey and be ready to every good work. De ne médire de personne. To speak evil of no man. De ne parler de mal de personne. To speak evil of no man. Alléluia. Amen. Les enfants qui suivaient. The children listening. À l'école, vous êtes là. Les groupes parlent toujours contre. Non. Vous êtes un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu. You are a child of God, a daughter of God, a son of God. Et vous verrez, bien-aimé. And you'll see, beloved. Que lorsque vous avez habitué une personne à médire des gens. If you have the habit ou vous-même, slandering of people dès que yourself, le téléphone de cette personne sonne, when the telephone of that person comes, s'il n'a pas parlé en mal de quelqu'un, vous avez l'impression que vous n'avez pas causé. If he didn't speak any evil about somebody, you have the feeling et that you même haven't dans les assemblées, even in the congregations, quand nous prêchons nous-mêmes. When we are preaching, we're preaching ourselves. Le jugement commence dans la maison de Dieu. The judgment begins in the house of God. Après beaucoup de temps, au début de la part de ce message, c'était vraiment, c'était l'amour, c'était difficile de parler à mal de quelqu'un. In the beginning of this message, it was love. It was very hard to speak evil mais of somebody. Après, les doctrines sont venues. After all kind of doctrines came. Dès qu'on sort. As soon as we go out. Là même devant. Outside, right there. Le groupuscule se forme. People are forming groups. Des prédicateurs spéciaux se forment. Special preachers. Vous avez écouté ça? Je ne crois pas ça. Did you hear that? I don't believe that. Le téléphone. Des citations, des guerres, des citations. And quotes, and they started wars of quotes. On arrive dans la maison du frère. You come to the house of the brother. Dieu vous bénisse. God bless you. On mange. We eat. Si on n'a pas critiqué un frère selon telle ou telle doctrine, c'est comme s'il n'y a pas eu de communion. If we haven't criticized a brother for about faut bannir ça. This doctrine, dénoncer doctrine, le diable. We must banish that and denounce the devil. Et le diable nous a attrapés depuis un temps. And the devil caught people. Depuis un temps, il dit non. Il y a tellement de témoignages dans les brochures. There's so many testimonies in the. Il y a tellement de chants. There's so many songs. Quand nous nous réunissons, when we gather, nous mangeons. We eat. Mais parlons de témoignages. Let's speak about testimonies. Parlez de ce que le Seigneur a fait de merveilleux. Speak about what the je Lord n'avais did. Pas de travail, j'ai eu du travail. Gloire au Seigneur. I didn't have work. The mon Lord enfant a réussi. Work. Gloire au Seigneur. My child succeeded at school. Qu'est-ce qu'il sera glory quand nous serons dans l'enlèvement? What it will be beautiful. Gloire au Seigneur. To the rapture. Glory to God. Et si vous voulez parler d'un prédicateur, and if you want to speak about vous preacher, avez écouté ce frère. Did you hear that brother? Il a tellement bien prêché. He preached so well. En tout cas, je me suis repenti. Then I repented. Mais dès qu'on commence, as soon as we start, A, X, Y, moi je disais, X, Y. Il y a même une personne qui m'a dit, mais fallait quand même le dire bien à côté. Moi je dis, oui, là, en tant que chrétien, pour la douceur. You need to say it aside sweetly as a Christian. Mais you il y a des choses. Sweetness. Quand vous les laissez par politesse avec le diable. When you leave it by politeness les dégâts devil, vont être irréparables. You will have disaster. De toutes les façons. Always. On ne peut pas être assis. You cannot be seated. Et entendre à haute voix au téléphone. And listen on the telephone. Vous parlez d'un frère ou d'un prédicateur en mal. Je dis, c'est pourquoi je suis sorti de là où j'étais pour vous dire arrêtez. You are speaking evil about a preacher. That's why I went out. Bien aimé. To say stop. En vous. In you. Il y a une personne.
There is a person. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Il ne peut pas, il y a des choses qu'il ne peut pas supporter. There are things that he's not going to support or bear. Frère Branham priait les gens. Branham would run away from people. Quand quelqu'un commençait à parler fort ou mal, if somebody would speak evil, même sa famille, even his own family, il dit, moi je suis votre papa. I am your father. Mais en moi, but in me, il y a quelqu'un que je ne contrôle pas. There's somebody that I don't control. Il n'a pas aimé ça. He didn't like c'est what pourquoi you say. Je me suis écarté. That's why I withdraw myself. Alléluia. Amen. Nous terminons et nous continuons avec avec Tite. We are going to close, but let's go a little bit further with Titus. Ça, j'ai beaucoup aimé. I have loved that. Verset 3. Verse 3. Car nous aussi, for we nous étions autrefois insensés, also were sometimes foolish, désobéissants, disobedient, égarés, deceived, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, serving diverse lusts and pleasures, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, living in malice and envy, digne d'être haï, hateful, et nous haïssant les uns les autres, and hating one another. Voyez ce que nous étions. You see what we were? Digne d'être haï, hateful, et nous haïssant les uns les autres, and hating one another. Ça c'est le royaume de Lucifer. That is the kingdom of Lucifer. Il oppose les uns aux autres. He is opposing one to the other. Comme les nations aujourd'hui. Just like the nations. C'est provoquer, c'est haïr et la guerre. Nations provoking other nations and hatred and war. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Alléluia. But after that, the kindness and love of God our Savior toward men appeared. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Which he shed on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. Afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. That Hallelujah. Being justified by his grace, merci, we should Seigneur. Be made heirs according to the hope of eternal life. Merci Seigneur. Thank Jesus. You Lord. Thank you, Lord Jesus. Il est merveilleux. He is wonderful. Délivrance totale. Là, nous prenons les Écritures et nous prenons le prophète. Now we are taking the scriptures and we are taking the prophet. Et là, le démon de médisance, quand il entend ça, and there the demon of slander. Quand vous prenez cette parole en vous, when you take that word in you, quand ça veut venir, vous dites, vous lui montrez la parole, il doit fuir. When it wants to come, you show him the word, he is going to flee. Au paragraphe 53 C. If you take paragraph 53 C. J'ai dit c'est parce que c'est le dernier alinéa. The last part of 53. Un nombre. Oui. Okay. Le prophète nous donne le conseil de Dieu. The prophet is giving us the advice of God. Et qu'un membre dise du mal de l'autre membre. And when one member would talk against the other member. Vous savez que c'est mal ça. You know that's wrong. Amen. Amen. Dès maintenant, from right now, nous savons que c'est mal. We know it's wrong. Dans le psaume 150, c'est mal. In Psalm
50. Dans l'église de Paul, c'est mal. In the church of Paul, we saw that it was wrong. Dans l'église de William Branham, c'est mal. In the church of William Branham, et nous disons amen, c'est mal. And we say amen, it's wrong. Amen, amen. Amen. Et nous sommes libérés. And we are free. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. You are commanded to pray for one another. Non pas de dire du mal les uns des autres. Not to talk against one another. Mais de vous aimer les uns les autres. But to love one another. Et si quelqu'un est abattu, and if someone is down, relèvons-le. Let's pick him up. Aidons-le. Help him. Alors ça fera de nous un groupe de croyants unis. Now that makes a unified group of believers. Or, quand nous n'obéissons pas à ça, now, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Now, when we don't obey that, then we don't obey God. Et Dieu n'est pas content de nous. And we displease God. Par conséquent, notre église, and therefore, nos fidèles, our church, our ne people peuvent pas prospérer. Cannot prosper. L'église ne peut pas avancer. The church cannot go on. C'est parce que nous sommes désunis. It's because we are disunified. Comme Jésus l'a dit, as Jesus said, un peu de levain fait lever la pâte. A little leaven leavens the lump. Donc le chuchotement, vous savez, il a fait, il a dit, et ça fait lever la pâte. All this murmuring, he said, she said. Mais gloire au Seigneur. Il glory nous a donné sa parole. He gave us his il word. Nous a envoyé son prophète. He sent us his prophet. Alléluia. Amen. Nous prenons, nous abordons les derniers points, c'est la calomnie et la critique. The last point is backbiting and critics. Calomnie. Backbiting. 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée, chapter 3. Mentir, c'est dire ce qui n'est pas vrai. To lie is to say what is not right. Médire, c'est dire des faussetés. Slandering is to say evil. Non, médire, c'est dire du mal de quelqu'un. Slandering is to say evil about somebody. Même si vous avez raison. Even if you are right. Maintenant, la calomnie. Now, backbiting. Calomnier. 2 Timothée 3. 2 Timothée, chapter 3. 2 Timothée 3, l'Esprit parle. The Spirit is speaking. On commence au premier verset. First verse of 2 Timothy chapter 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Amen. Ça, c'est le tableau. Le Saint-Esprit a vu 2000 ans. This is the picture. The Holy Ghost saw 2000 years. C'est le tableau des personnes, le caractère des personnes de cet âge. It's the picture of the people of this age, the character of the people ingrat of this age. Unthankful. On peut pas dire merci. They never say thank you. Insensible. Without natural affection. Il peut prendre son fusil, aller tuer des gens qui lui ont rien fait. He can take his gun and kill people who didn't do anything against them. Parce qu'il a vu ça sur les réseaux sociaux. Because they saw it on social network. Cruel. Cruel. Mais dans tout ça, in all this, quand vous voyez là, celui qui prend son arme, il tue. If you see that man taking his weapon and mais killing, s'il ne se repent pas, if he doesn't repent, et vous, you qui yourself, calomniez,
and you backbiting, qui répandait des bruits sur votre frère, or slandering evil against your ou brother, ou sur une personne, or somebody. Vous êtes dans le même sac. You are in the same package. C'est pourquoi Dieu nous prévient. That's why God is warning us. Qu'est-ce qu'il dit au verset suivant? What is he saying the next verse? Les 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Frère, je vous aime bien. Brother, I love you. Vous m'aimez bien. And you love me. Nous nous aimons bien. We love each other. Mais si nous formons un club, but if we form a club, faut que Dieu soit là. We need to have God in the midst. Frère Branham dit que Dieu ne vous suivra pas si vous entrez dans une fosse septique. Brother Branham says that God won't follow you if you get into a septic fosse. Dès que la calomnie c'est de parler, vous prenez celui-ci, ah, il a fait ça, il a fait, il est ça, il est. As soon as slandering gets in, ah, he did this evil, vous laissez evil, celui-là. Evil. Vous prenez l'autre. You take the next person, she did this, that. Paul dit. Paul says. Éloignez-vous. Turn away. Et psaume 1. And psalms, heureux l'homme 1. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et la prédication d'aujourd'hui, c'est le conseil de Dieu. Et le choix, sorry, c'est vous qui le faites. Blessed is the man that worketh not according to the counsel of the wicked. Le méchant. And the sermon of today is the counsel of God, and you are making the choice. Sont les amis de groupe, les amis du groupe. Oh, those are friends of my group. Those are friends of my group. Le méchant, ce n'est pas le démon qui a des cornes et des dents pointues, non. The wicked one, it's not the devil who has got horns and teeth. C'est toute personne qui n'honore pas la parole de Dieu. That is any person that doesn't honor the word of God. Bien-aimé. Beloved. Qu'est-ce que le prophète dit? What does the prophet say? Dans la prédication Hébreux chapitre 7, in the sermon Hebrews chapter 7, deuxième partie, je crois. Hebrews chapter 7, part 2. Paragraph 349. Nous sommes dans la maison de correction. We are in the house of correction. Un jour, Frère Branham m'a prêché. Il dit, quand j'ai prêché, j'ai cogné tellement contre le péché que dans la voiture, tout le monde était froid. One day, Brother Branham preached. He said, "I hit so hard against sin that in the auto, everybody was seated very quiet." Et dit tout d'un coup, mon fils Joseph, quand il était petit, s'est levé. Papa, j'ai beaucoup aimé votre prédication. Je me suis dit, ah, j'ai quand même un fanatique. As soon as Brother Joseph was still a young boy, he said, "Dad, I loved your sermon." And Brother Branham said, "At least I have one fan, one c'est supporter." Bon. Ça nous fait du bien. It's good. It c'est does le médicament good to de us. L'âme. It's the medication for the soul. 349. Et vous qui avez un tempérament colérique, carnassier. And you people with these so-blade tempers. Qui avez toujours la bouche ouverte contre quelqu'un. That's always putting off in the mouth at somebody. Si c'est le cas de quelqu'un maintenant, cette parole est donnée pour que cet esprit quitte pour toujours. If that's the case of somebody, that's a case for that spirit to go away forever. Qui n'arrivait pas à supporter et des choses comme ça. Can't put up and things like that. Faites attention. Be careful. Vous êtes coupable si vous dites un mot contre votre frère. You are guilty if you speak a word against your qu'il brother. Qu'il ne soit pas bien. That's not right. Si vous allez partout pour démolir. Not just. Go around and tear down.
Il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. You don't have to stick a knife in the man's back to kill him. Donc quand vous parlez, au moment où vous parlez du mal de votre frère, la révélation de l'âge vous dit que vous êtes en train de tuer ce frère-là. When you are speaking evil about somebody, the revelation of this age says that you are killing that man. Vous pouvez le tuer en détruisant sa réputation. You can break his character and kill his influence. Parlez de manière négative de votre pasteur ici. Speak against your pastor here. Dire du mal de lui. Say something bad about him. C'est comme si vous aviez tiré, vous lui avez tiré dessus. You just might as well have shot him. Notre devoir. Our duty, c'est de prêcher cette parole, is to preach this word, sans compromis, without compromise. Et le Seigneur est toujours là. And the Lord is always there. Il dit, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, he said, if your sins are red like venez scarlet, plaidons, come and let's je les rendrai blancs comme neige. I'll make them white as snow. Ça c'est pratique. Aujourd'hui, nous avons pris la vie pratique. Today we spoke about the practical life. Là, vous vous souvenez? Now remember. Que je parlais en mal de Pasteur Adams. If I spoke evil about Pastor Adams. Le Seigneur dit vous l'avez tué. The Lord said you have killed him. Mais le Seigneur est bon. But the Lord is good. Paul, un jour on le jugeait. One day was being judged. Et il a dit au sacrificateur. And he spoke to the high priest. Le sacrificateur avait donné l'ordre que le huissier le gifle. Because the high priest gave the order to that ushers to beat him on par the la face. Bouche. Yes, je ne sais pas. On peut vérifier. Yes. Il a dit tombeau blanchi. And he said white as tomb. Et puis l'autre lui dit tu insultes, tu parles mal contre le sacrificateur de Dieu. And the next man said you are insulting, you are speaking evil minute, of the high priest. Paul se repent. At the right very minute Paul repented. Je ne savais pas qui il était. I didn't know that he was the high parce priest. Qu'il est écrit. Because it's written. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Thou shalt not speak evil l'esprit about the qui est chief sur of your Branham, nation. C'est l'esprit qui était sur Paul. The spirit that was. Le prophète dit même le prêtre catholique. The prophet said even the Catholic vous priest, devez respecter sa fonction. You need to respect his function. Et plus loin. And every father, vous trouvez des citations où il dit il est serviteur de Dieu. You find quotes, Abraham says he is a servant of the Lord. Amen. Amen. Donc je dis ces choses. I am saying these le things. Le Saint-Esprit nous pousse à dire ces choses. The Holy Spirit has inspired il us to say these de things. Il n'y a pas honte. There is no shame. Quand vous êtes sincère. When you are sincere. Si vous sentez que vous devez régler cette chose, if you feel that you need to make that thing in order, vous allez prendre votre téléphone. You take your telephone, frère, brother, pardonne-moi, forgive me, j'ai essuyé vos oreilles, j'ai parlé en mal du pasteur. I spoke evil about the pastor. Prions. Vous priez. Let's pray and you pray. Si vous vous sentez poussé. If you feel you are directed. Si le Saint-Esprit vous convainc. If the Holy Spirit convinces you. Parce que vous pouvez prier, vous sentez que ça ne passe pas. You may pray and you feel that's not over. Le prophète dit que s'il y a une condamnation dans votre cœur. The prophet c'est says, la Bible qui le dit. If there is any condemnation in your heart. Parce que certaines, là je ne veux pas trop m'enfoncer. I don't want to go too deep in that. Mais je vous donne des éléments. But I'm giving you elements. C'est dit. It's written. Le Saint-Esprit peut vous montrer comment arranger ça. The Holy Spirit can show you how parce que est la personne à qui on demande pardon.
The person to who you are asking et la personne qui demande pardon, and the person that is asking ça doit être le Saint-Esprit. The both things should be si the Holy Spirit. Est charnel, if one is l'autre dit je vais réparer, carnal and the next one wants c'est to, encore des dégâts. Mais correct, au moins, and then it will dès be maintenant, but at least from now, nous savons we know que nous ne devons plus faire ces choses-là. That we don't need to do those things again. La calomnie n'est pas dans la maison de Dieu. Slandering is not in the house of God. C'est un meurtre. That's a murder. Dernier point. A last point. L'esprit critique, de critiquer. The spirit of criticizing. C'est juger les autres. Criticizing is judging the others. Dans la Bible. In the Bible, ne jugez pas. It's written, don't dans Matthieu 7, in Matthew chapter 7, vous serez jugé. You will be judged. Comme vous jugez les autres. With the same measure that will judge the others. Mais le prophète. But the prophet. Je vais terminer par cette citation. I'm going to finish by this quote. Il nous parle de sa propre vie. He is speaking from his own life. Quand il est rentré de la campagne des Indes. When he came back from the India campaign, le Seigneur a fait des grandes choses là-bas. The Lord did great things there. Et plus vous avez le Saint-Esprit, and the more you have the Holy Ghost, c'est-à-dire plus vous êtes rempli du Saint-Esprit, the more you are filled with the Holy Ghost, plus vous êtes sanctifié, the more you are sanctified. Vous allez être très sensible au péché. You are going to be more sensitive to sin. Des petites choses que les autres trouvent normales, vous n'allez pas trouver ça normal. Little things that you that others find normal for you, it's no longer normal. Et ce que le diable peut faire, and what the devil can do, même quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, even when you are filled of the Holy Ghost, il peut faire que vous soyez un critiqueur. He can make you become a criticizer. Ah, vous avez vu cette sœur là? Oh, did you see that sister? Vous avez vu comment ses cheveux sont? Oh, did you see her the hair? Frère Branham dit si vous avez des cheveux longs. Brother Branham says if you have long hair. Et que maintenant vous avez de l'orgueil. And that you have pride with it. Non, il dit le diable peut vous donner de l'orgueil. The devil can give you pride. Vous portez une jupe bien. You're wearing a good skirt. Mais partout vous commencez à chercher ceux qui ont des jupes courtes pour les juger. And now you start judging all the others. Ce n'est pas votre rôle. They have a short skirt. That's not your role. Si c'est une sœur, if it's a sister, priez pour elle. Pray for her. Trouvez un temps. Find the time. Parlez-lui. Speak to her. Dans la douceur. In sweetness. Mais le monde, but the world, il est comme il est. The world il is est like régi this. Par son père, le diable. It's ruled by the father, the devil. Alors le prophète dans l'année du jubilé. The prophet in the sermon, the year of jubilee. L'année du jubilé. The year of jubilee. Prêché le 3 octobre 54. That was preached. Le 3. 3 octobre 54. Au paragraphe 50. Paragraphe. Paragraphe 50. Avant de lire, je termine d'abord l'idée. Alors, quand le prophète est rentré de l'Inde, when the prophet came back from India, il dit qu'il a commencé à critiquer tout ce qu'il voyait. He started criticizing everything that he was looking at. Les catholiques, les protestants, les... Donc, il dit que... Et puis, à un moment... He was criticizing the Catholic, the Protestant, and everybody. Il a compris que ce n'était pas bien. And at one time, he understood this is not right. Nous avons beaucoup d'assemblées ici. We have many, many dans toutes les villes aujourd'hui. In almost all the cities today. Il y a des enfants de Dieu. There are children of God there. Priez. Pray. Prions. Let us pray. Sincèrement. Sincerely. Parce que quand la tribulation va venir, because when tribulation shall come, on ne va pas choisir. It won't choose. Dis vous. They are going to say you. On a vu sur YouTube, vous parliez contre la bête. You, we saw on YouTube, you were speaking against the beast. Vous disiez que nous sommes la bête. And you were saying that we are. Que nous sommes ceci. And we are this. Vous allez voir. You are going to see now. Vous êtes contre notre modèle de société. You are against our model of fermé society. Fermé ici.
We are going to close here. Oh non, notre doctrine fermée. Oh, but our doctrine close this place. Alors le prophète a demandé une chose. Then the prophet said. C'est ce que nous allons demander nous aussi. And this is the thing that we are going to ask now. Pour terminer cette réunion d'aujourd'hui. To end this meeting of today. Priez contre tous ces esprits. Let's pray against. Priez pour la croissance spirituelle de chacun. All this spirit. Pray de for cette the église, spiritual growth of l'union. This priez church. Pour le pasteur. Pray for the pastor. Tous pray for the uniting pour of chacun. This church. Pray each one for each other one. Et le prophète, paragraphe 150, année du jubilé. Paragraph 150, the year of jubilee. Eh bien, je vous ai demandé de prier. I have asked you to pray. Je ne sais pas si c'est au début de la citation ou plus loin. C'est plus loin, je crois. Voilà, c'est là-bas. I asked you to pray for me the eh other bien, day. Eh bien, je vous ai demandé de prier pour moi. I have asked you to pray for me the other day. L'autre jour, ou plutôt ce matin. Or this morning for me. Je m'étais rendu compte que je critiquais les gens. I criticized people. La manière dont s'habillent les femmes. The way women dresses. Et des choses de ce genre. And things like that. Je ne veux pas être comme ça, c'est faux. I don't want to be like that. That's wrong. Maintenant, je le confesse ici que je suis dans l'erreur. Now I'm confessing it right here that I'm wrong. Amen. Alléluia. Alléluia. Paul a dit, et je rappelle, imitez vos conducteurs. Paul said, and I'm recalling, follow your leaders. Même nous. Even us. Le prophète dit que la chair n'est pas un tribunal. Bon, c'est un tribunal pour l'Église, pour chacun de nous. Mais ce n'est pas un lieu où le prédicateur vient rendre des comptes avec les brebis. Even us, c'est une brebis aussi. Even us, the platform here at the pulpit is not a place where the preacher comes to settle accounts with the other brothers and sisters. Quand nous parlons des chevelures, des jupes courtes. When we speak about hair and short skirt, c'est dans l'esprit d'amour, de prière, de savoir que ces choses-là n'entreront pas là-bas. It's in the spirit of prayer to know that these things won't get into the heavens. Mais ce n'est pas que j'ai causé avec vous, et puis je viens ici parce que vous êtes là, et même quelqu'un entre, un visiteur entre. It's not that I've talked with you and now you came here and even a visiting person comes here. La prédication change pour s'adapter à ce que je connais de celui-là. And the sermon now changed to adjust to what I know about the person. No? Mais restons sur ce démon de critique. Amen. Let's stay on this demon of slandering, of criticizing. Lui veut vous affaiblir. He wants to weaken you. Vous l'affaiblissez en appliquant ce que la parole dit. You are weakening him when you apply what the word says here. Et j'ai vu des prédicateurs aller faire des choses qui ne sont pas bibliques. And I saw preachers that went to do things that were not scriptural. Et je me dis c'est faux ça. And I say no, that's wrong. Je suis qui moi pour les juger? Who am I to judge them? Dieu est leur juge. God is their judge. Que Dieu enlève cet esprit de moi. May God take that spirit away from me. Laisse-moi être comme le Seigneur Jésus. Let me be like the Lord Jesus. Voyez le message. You see the message? Le modèle de William Branham, c'était Christ. The model of Branham was Christ. Partout où il passait, on l'insultait. Everywhere they would insult him. Les prédicateurs l'insultaient. The preachers were insulting him. Would criticize him. Ils venaient le saluer, Rabbi. They would greet him, mais master. Il avait déjà insulté. But they already ils complotaient contre lui. They were ils doing plot against tout. Him. He knew everything. Mais il disait, Père.
He would say, Father, pardonne-leur. Forgive them. Ils ne savent pas ce qu'ils font. They don't know what they are doing. Nous aussi. We also. William Branham dit, je veux être comme Jésus. Brother Branham says, I want to be je like Jesus. Je ne veux pas être un juge des autres pasteurs des autres églises. I don't want to be the judge of the other pastors of the other churches. Amen. C'est aussi notre désir. Amen. It's also our desire. It's, amen. Je ne veux pas me dire de mon frère. I don't want to slander my brother. Je ne veux pas dire des mensonges. I don't want to lie. Je veux que cette assemblée soit unie. I want this congregation to be united. C'est ça la vie de William Branham. That is the life of Brother Branham. Frère Branham dit, si vous avez l'esprit de Dillinger, Dillinger c'était un bandit. Brother Branham says, if you've got the spirit of Dillinger, he was an outlaw. Si vous avez, c'était, il démolissait les banques et tout. He was a gangster. He was breaking banks and everything. Si vous avez son esprit, if you have his spirit, on vous verra tout à l'heure avec des revolvers. They are going to see you with revolvers. Si vous avez l'esprit de Shakespeare, if you have the spirit of Shakespeare, tout le temps vous serez à composer des poèmes. Oh, you'll be all the time busy writing poems. Et s'il y a quelque chose de faux, c'est un esprit qui est là. If there's something wrong, it's a spirit which is there. Aujourd'hui, today, vous décidez du divorce avec n'importe quel esprit du. You decide that you are separating from any kind of spirit. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous avez l'esprit de Christ, and if you have the spirit of Christ, vous vivez comme Christ. You live like Christ. Nous allons chanter être comme Jésus. Après, chacun va prier. We are going to sing to be like Jesus, and then everyone son cœur. We is going to pray compared to his own heart. Et après, and after, il y aura des communiqués, des requêtes. We have some announcements to give after that. Et le pasteur viendra clôturer cette réunion. And the pastor pour le moment, will come and close the moment meeting. De sincérité. And now it's a time of sincerity. On peut mettre un pas dehors là et puis quelque chose arrive. You can step outside there and then something happens. Vous n'êtes pas des boucs, vous êtes des brebis. You are not goats, you are sheep. Être comme Jésus, je veux être comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, de la terre et à la gloire, je demande seulement à être comme lui. Je veux être comme Jésus, je veux être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. De ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement à être comme lui. Que chacun prie le Seigneur. Vous pouvez lui dire merci de la parole qu'il nous a donnée, de son sang qui nous lave de chaque péché, de l'élection. Avant la fondation du monde. Jésus, nous mettons entre tes mains et nous demandons ta grâce. Soutiens-nous.
À toi la gloire et l'honneur, Seigneur. The glory and the honor, Lord. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur. Thank you for being with us, O Lord. Voici nos âmes sous l'autel. We bring our souls to the altar. Nous sommes ton peuple, Seigneur. We are your people, O Lord. Les brebis de ton pâturage. The sheep of your pasture. Cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court. Not he that willeth, not that runneth, Lord. Mais de ta grâce, Seigneur. But only your grace, O God. Nous nous recommandons tous sous ta grâce. We commit all ourselves unto your grace, O God. Nous prions, Seigneur Jésus. We pray, Lord Jesus. Pour chaque service que tu as établi ici. For every office that you have established here. Lord. Pour ton serviteur que tu as établi ici. For your servant that you have established here. Notre frère Adams. Our brother Adams, oh pour God, chaque brebis, for every sheep, pour le retour, Seigneur, for the coming of the Lord, pour tous les besoins qui sont dans nos cœurs, Seigneur, and for all the needs that are in our hearts, oh pour God, la guérison des âmes, Seigneur, for the healing of the souls, pour la guérison des corps, Seigneur, for the healing of the bodies. Tu es toujours l'Éternel qui guérit toute maladie. You are still the Lord Jehovah that healeth all diseases. Que ton Saint-Esprit nous remplisse pour ta gloire. May your Holy Spirit fill us for your glory. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Le Amen. Seigneur vous bénisse. May God bless you. Amen. 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 Oh Seigneur. Amen. Si quelqu'un, vous avez une personne qui a besoin du baptême, vous avez le numéro de téléphone du pasteur. Vous l'appelez n'importe quand. Excusez-moi, je me permets de le dire. If somebody has the need of a baptism, il y a un qui s'est fait baptiser la nuit. Oui, voilà. Il est là. He's vraiment. There. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. On se voit la semaine prochaine. We Dieu see next week. Amen. Okay. Okay. We have the announcements. Yeah. Okay. Requête pour frère Antoine Poti et sa famille, son épouse et ses enfants qui voyagent pour le Togo, Lomé. Le frère demande que l'Église prie pour lui. Il voyage demain, lundi 25, et que le Seigneur Jésus-Christ leur accorde sa protection et sa guidance.
prayer request for Brother Antoine Poti and his family. They are traveling for Togo tomorrow, and he's asking the Lord Jesus to grant them protection and guidance as they go to Lomé. Requête de prière. Le pasteur avait ça en texte complet ici. We're going to holiday from 25 July up to 16 August. Nous allons en vacances depuis le 25 juillet jusqu'au 16 août. Voilà, que l'Église puisse prier pour nous, s'il vous plaît. Frère Antoine. OK. Demande de prière. Il y a une douleur sévère dans mon épaule droite et qui me cause des nuits d'insomnie. S'il vous plaît, je demande aux saints de se souvenir de moi dans leur prière. Je vais partir en vacances demain avec ma famille. Je demande la protection du Seigneur et un voyage en sécurité. Le frère Enoch. Prayer request. There is a severe pain in my right shoulder. It is causing me sleepless night. Please, I ask the saints to remember me in prayers. I will be leaving for vacation tomorrow with my family. I ask for God's protection and safe journey. Brother Enoch. Et donc la dernière, c'est un remerciement. Je rends grâce à Dieu pour une année de plus qu'il a accordée à mon fils Joël Umbe, qui a totalisé 10 ans ici sur la terre. Que son nom soit loué. Je lui rends grâce aussi pour une année de plus qu'il m'accordera demain, le 25 juillet, s'il me prête encore vie. Que son nom soit glorifié, la sœur Francine Olenga. Amen. Thanksgiving. I'm bringing grace to God for one more year that he has granted my son Joel Umbe, who has now 10 years old on the earth. May his name be praised. I give the Lord grace for one more year that he has granted also to me tomorrow, 25 July 2022. If he grants me again life, his name be glorified. Sister Francine Olenga. Amen. Thank the Lord for this prayer request. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ces requêtes de prière. And we are going to pray for them. Et nous allons prier pour cela. And then we will talk about the baptism service. Et après, nous allons parler du service de baptême. And then we go home. Et après, nous pourrons rentrer à la maison. Amen. Amen. Lord Jesus. Seigneur Jésus. Thank you, Father, for this wonderful time that we had with you this morning. Merci Seigneur pour ce merveilleux temps que nous avons eu avec toi ce matin. Lord, we thank you for the counsel of God that you have given to your servant Corneille for us. Seigneur, nous te remercions pour ce conseil que tu nous as donné au travers de ton serviteur. Lord, we pray all that you will give us the spirit of obedience to every word that we heard. Et Seigneur, nous prions que tu nous donnes l'esprit d'obéissance à chaque mot que nous venons d'entendre. Father Lord, you promised to give us a new heart, a new spirit. Père, tu as promis de nous donner un nouveau cœur, un nouvel esprit. And you will put your spirit in our spirit to believe every word, Lord. Et tu as dit que tu mettrais ton esprit dans notre esprit pour croire chaque parole. Lord, help us, Lord Jesus. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. To be sincerely repent from the things that we heard. Seigneur, pour nous repentir sincèrement sur les choses que nous avons entendues. We know that the devil is working through us through lying and slandering and critics. Et nous savons que le diable veut travailler dans nous à travers le mensonge, la médisance et la critique. Father, we pray that Lord that let every one of us go out of this place without those demons in us, Lord. Et nous demandons, Seigneur, que chacun d'entre nous quitte cet emplacement
sans ces démons-là, Seigneur. Lord, we don't want them, Lord. Nous ne les voulons pas, Seigneur. Lord, we pray that you will take them out from us, Lord. Et Seigneur, nous prions que tu puisses les enlever de nous. And fill the place with the Holy Ghost, Lord Father. Et remplis cet endroit de ton Saint-Esprit. So that we may walk in your statute, Lord. Et que nous puissions marcher dans tes statuts. Walking in your steps, Lord Jesus. Et que nous puissions marcher dans tes empreintes, Seigneur. Believing every word that comes out of the mouth of God. Croyant chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Lord, we thank you, Father, for the years that you have given to the son of Sister Francine and also her own self for tomorrow. Et Seigneur, nous te disons merci pour l'année de plus que tu as donnée au fils de la sœur Francine et aussi pour elle-même demain, le 25. Father, we pray that you will keep adding more years till you come. Et Seigneur, nous prions que tu puisses continuer à ajouter plus d'années si tu tardes. And give them good health. Donne-leur une bonne santé. And also a close walk with you, Lord Jesus. Et une marche plus rapprochée de toi, Seigneur Jésus. And we also pray for Brother Antoine while he's traveling to Africa. Et Seigneur, nous prions également pour le précieux frère Antoine alors qu'il voyage vers l'Afrique. Lord, you are the God of traveling. Seigneur, tu es le Dieu du voyage. Lord, may you grant them a traveling mercy. Seigneur, accorde-leur les miséricordes pour le voyage. Lord, we be with them over there and bring them back safely, Lord. Sois avec eux là-bas, Seigneur, et ramène-les en sécurité, Seigneur. And we also pray for Brother Enoch. Et nous prions également pour le précieux frère Enoch. For the pain in his arm. Et pour donc la douleur qu'il a dans son dos, Lord, we dans pray son épaule. That you will take away that pain. Et que tu puisses enlever cette douleur. Because you say that by your stripes we are healed. Et parce que tu as dit par tes meurtrissures nous avons été guéris. Lord, by I pray as your servant, Lord Jesus. Je prie en tant que ton serviteur, Seigneur Jésus. That you will take that pain in the name of the Lord Jesus Christ. Que tu enlèves cette douleur dans le nom du Seigneur Jésus. And grant him also a traveling mercy. Accorde-lui aussi la miséricorde pour le voyage. While he is going with the family to spend a little time. Alors qu'il va avec sa famille pour passer un peu de vacances. May your presence be with him. Que ta présence soit avec lui. And bring him back safely. Et puisses-tu le ramener en sécurité. Lord, we also pray for the year of Sister Victoria. Et Seigneur, nous prions également pour l'oreille de la sœur Victoria. We keep claiming the healing. Et nous réclamons, Seigneur, sa guérison. And also the eye of Brother Nono. Et aussi pour les yeux de frère Nono. Lord, we claim the healing in the name of Jesus. Nous réclamons la guérison dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. We also thank you, Father, for Brother Isaac. Et nous te remercions, Père, pour le précieux frère Isaac. Because we know that everything worked good for your for those who love you, Lord. Et nous savons que tout travaille pour le bien de ceux qui t'aiment. May you grant every one of us. Père, puisses-tu accorder à chacun d'entre nous your healing power, ta puissance de guérison, the baptism of the Holy Spirit, le baptême du Saint-Esprit, and a close walk with you, Lord Jesus. Une marche plus proche avec toi, Seigneur Jésus. We pray, Lord, that you will unite us, Lord, with the brotherly love. Seigneur, puisses-tu nous unir avec l'amour fraternel. We also pray for every gathering this morning. Et nous prions in your aussi name. Pour chaque rassemblement ce matin. We thank you for your servant also, Brother Corneille. Nous te remercions également pour ton serviteur, frère Corneille. Lord, may you comfort him. Puisses-tu le réconforter, le and consoler. Bless him and his family, Lord. Et consoler sa famille et we le bénir. We ask it in the name of Jesus Christ. Nous le demandons dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 For the baptism, I want to, because I was waiting for Brother David. Alors pour les baptêmes, je m'attendais à frère David Eberson. Because the time I called him, he said they were having a camp meeting in somewhere, I don't know. Parce qu'au moment où je l'ai appelé, ils avaient des réunions de camp quelque part. Maybe some people would have decided to be baptized.
Et peut-être qu'il y aurait eu des gens qui allaient décider d'être baptisés. And finally, we spoke and he said he doesn't have anybody to be baptized. Et finalement, cet été, il n'a encore personne qui doit être baptisé. So then I decided to do it here. Et alors, j'ai décidé de le faire ici. And it depends now. I want to ask you the day that you are free. Et maintenant, ça dépend. Je voudrais vous demander les jours où vous êtes libre. That the day that you are free, then we can do that. Les jours où vous êtes libre, alors nous pouvons faire ça. We will go to the sea. Nous irons à la mer. We have a camp, two camps. Two tents. Nous avons deux tentes. So we are going to fix maybe the two, one for the brothers, one for the sisters. Et nous allons donc préparer les deux tentes, une tente pour les frères, une tente pour les sœurs. Then we'll be going to the sea to be baptized. Et alors nous irons à la mer pour être baptisés. And I don't know, Carlos, which day is good for you? Frère Carlos, quel est le jour qui t'arrange? And I hear that your wife is working. Parce que j'entends que ton épouse travaille. Maybe if she can have some holiday. Si elle a un congé. Then we can go to the sea. Alors nous pouvons aller à la mer. And I think Sister Eunice, she also, I think she can. She's not going to school. On any day will be good for her. Et la précieuse sœur Eunice, elle ne va pas à l'école maintenant, donc je pense que n'importe quel jour devrait l'arranger, n'est-ce and pas? And also Israel. Et aussi le précieux frère Israël. I think they are on holiday, so I think every the problem now is the wife of brother Carlos. Maintenant, c'est les vacances pour les jeunes, et donc le seul souci, c'est l'épouse du précieux frère Carlos. So, Carlos can speak with the wife. Alors, frère Carlos, tu peux parler à ton épouse. So, the day she decided, and I'll communicate it, I'll call the other brothers and sisters. Et le jour où elle va, qu'elle va choisir, eh ben, je vais alors retenir ce jour et le communiquer pour les autres frères et sœurs. So that. For Sister Eunice, she can come to Brussels, then we can take her, and then we go, we take also Israel, then together we can go, because Carlos, he has a car, then he can come with the wife. Et la sœur Eunice pourra donc venir jusqu'à Bruxelles, et alors nous la prendrons avec le frère Israël, nous pourrons aller ensemble. Le frère Carlos, il a sa voiture. Brother Patrick also said that he would like to go. Et le précieux frère Patrick, il a dit aussi qu'il va joindre ce jour-là, il so va aller. I was talking with brother Patrick. Et je parlais à frère Patrick. He said, weekend, there's a lot of people there. Il dit, mais le week-end, il y a beaucoup de gens à la mer. So if you can do it in a weekday, then there will not be too much people. Et si nous pouvons choisir un jour de semaine, il n'y aura pas trop de monde à la mer. So now, I will ask Carlos to speak with the wife, then she decided to take a holiday, then I will call Eunice and brother Israel, then together we can make it. Et donc voilà, frère Carlos, quand ton épouse peut choisir ses congés, et donc on va communiquer cette date pour les autres aussi, sœur Eunice et sœur Eunice et frère Israël. Ok, I have some few prayers. Prayer clothes from Brother Branham. Donc j'ai ici des linges de prière de frère Branham. So those who need them, they can ask me, I'll give them. Ce sont des linges de prière du prophète. Si quelqu'un en a besoin pour la guérison, il peut me demander et je lui donnerai. So it is according to the scriptures. C'est selon les Saintes Écritures. So, I think it's in the book of Acts 9, or no, c'est Actes chapitre 19. Yeah, 19. Oui. Where they were taking apron from Paul and they lay it on the sick and the sick were healed. Donc ils prenaient des linges que l'apôtre Paul avait touchés et ils mettaient ça sur les malades et les malades étaient guéris. And even Brother Branham, in his ministry, a lot of people were healed through those prayer clothes.
Et même notre prophète Branham, beaucoup de gens dans son ministère ont été guéris par ces linges de prière qu'on envoyait dans le monde entier. The last time I preached, I wrote a quote where a baby was healed. La dernière fois que j'ai prêché ici, j'ai même cité une citation où un bébé avait été guéri. Amen. So, may the Lord bless you richly. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. So, by the grace of God, next week it will be Brother Cornet who is going still to preach for us. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, ce sera Frère Cornet qui va prêcher encore pour nous. Amen. May keep him in our prayers. Gardez-le dans nos prières. And we who stand here, we need too much your prayers. Et nous qui nous tenons debout ici, nous avons besoin beaucoup de vos prières. Amen. So if Paul was asking his church to pray for him. Si l'apôtre Paul demandait à son église de prêcher, de prier pour lui. Brother Branham was asking his church to pray for him. Et si Frère Branham demandait à son église de prier pour lui. How much more we who are in this situation. Combien plus forte raison nous qui nous trouvons dans cette situation. Because they were speaking with the Lord mouth to ear to mouth. Parce que ces hommes parlaient à Dieu de bouche à oreille. Amen. But they needed the prayers of the congregation. Mais ils avaient besoin de la prière de l'assemblée. How much we need more your prayers. Combien nous encore avons besoin de vos prières. So keep us in your prayers. Donc gardez-nous dans vos prières. We keep you in our prayers also. Nous aussi nous vous gardons dans nos prières. Amen. May the Lord bless you. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons prendre les cantiques numéro 257 pour sortir veillé au matin.
reine.